Bien, nous allons reprendre nos travaux, si vous le voulez bien. Donc nous entrons dans la dernière phase de notre colloque, et je reprends la présidence après François Saint-Bonnet et Hervé Levers. Alors, nous sommes donc à la fin de la période considérée par notre colloque, la période où on s'efforce d'achever la refondation républicaine de l'an 3 à l'an 4, oui, comme le dit notre intitulé du colloque. Et nous allons voir effectivement comment, par quelles mesures, par quelles dispositions, le régime va tenter de mettre fin à cette période révolutionnaire, et on verra qu'il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en scène. La constitution de l'an 3 d'une part, qui va être adoptée, et en même temps, parallèlement, les troubles politiques qui vont effectivement s'opposer à cette tentative de stabilisation de l'ordre politique par cette constitution. Alors nous avons donc au programme trois interventions. Virginie Martin, qui est tout à fait à gauche, qui est co-organisatrice du colloque qui enseigne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Stanislas de Chabalier, qui est tout à fait à ma droite, qui est doctorant à l'IRIS, de Lille. Et puis donc Hervé Levers, co-organisateur du colloque, qui interviendra pour terminer sur la question de la peine de mort. Alors peut-être tout de suite la parole à Virginie pour qu'elle nous présente un peu ce pouvoir occulte des bureaux. Alors le mot épuration administrative, il a été discuté tout à l'heure, donc on verra si ce mot se maintient pour les puristes. On attend avec impatience votre communication. Je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président. Alors on sait que c'est la révolution qui donne naissance aux fonctionnaires et qui invente aussi l'épuration. Si le terme n'entre qu'en 1835 dans le dictionnaire de l'Académie, il appartient pourtant autant à la grammaire politique de l'an 2 qu'à celle de l'an 3. Il désigne une entreprise de purification qui, sous la terreur, se confond avec un idéal de régénération et, à partir du neuf thermidor, avec une exigence de réparation. Alors, de cette épuration de l'an 3, Thibaudeau dresse pourtant dans ses mémoires un diagnostic très contrasté. Selon lui, l'épuration aurait moins consisté à châtier qu'à chasser les auxiliaires de la terreur. Elle ne se serait donc résumée qu'à une simple redistribution des places. Mais si elle était nécessaire à l'origine, puisqu'elle était réclamée par, vous le voyez, la voix terrible de l'opinion, elle aurait cependant fini par échapper au parti vainqueur pour ne plus servir que les intérêts d'une faction. En cela, cette épuration aurait donc échoué à s'inscrire dans un processus de justice transitionnelle, puisqu'elle aurait en fait dérapé en une sorte de mécanique revancharde. Cette épuration, elle s'est en effet traduite, on le sait, par des exactions sauvages, par des condamnations arbitraires et par des destitutions injustifiées, en particulier à l'échelle locale. On sait aussi qu'elle n'a frappé que certaines catégories de fonctionnaires, en l'occurrence en priorité les fonctionnaires publics, c'est-à-dire le personnel des administrations locales, des institutions judiciaires et évidemment des organes révolutionnaires. Elle aurait en revanche soigneusement épargné les employés du gouvernement révolutionnaire. Alors même que l'épuration de cette nébuleuse d'hommes de l'ombre qui ont servi la tyrannie dans le secret des bureaux n'a jamais cessé d'être invoquée, il faut pourtant attendre le 7 octobre 1795 pour que soit créée la première commission d'épuration, ou plutôt de désépuration, puisque cette commission-là vise moins à liquider les suppôts du robespierrisme que les bénéficiaires de ce qu'on appelle déjà la réaction. Alors c'est ce paradoxe que je voudrais essayer d'expliquer pour montrer que cette épuration-là, elle a été en fait moins manquée que masquée, au sens où elle s'est faite à petites touches, presque en catimini, au gré des restructurations successives de ce gouvernement que, pour citer Crassou, on critique sans cesse, mais qu'on maintient toujours. Alors, le premier à mettre cette épuration sur le tapis, c'est aussi le premier qui met la justice à l'ordre du jour, c'est-à-dire Tallien. Deux jours seulement après le 9 Thermidor, Tallien insiste en effet sur la nécessité de s'atteler à l'épuration des commissions exécutives qui, d'après lui, je cite, « n'ont pas été exemptes de l'influence liberticide des conspirateurs ». Et pour cause.
parce que ces 12 commissions exécutives, elles sont nées le 12 Germinal an 2 sur le cadavre des ministères pour mieux inféoder l'exécutif au comité de salut public. Et c'est ce comité de salut public qui pouvait seul en nommer et en destituer les membres, et même à partir du 19 L'Oréal, qui était le seul habilité à les déférer devant les tribunaux. Alors que ces commissions exécutives sont donc la chose par excellence du comité robespierriste, la Convention se garde bien de décréter leur épuration. Et ce, d'abord, en raison d'une impossibilité juridique qui tient à la nature même de la responsabilité pénale de ses employés. Cette responsabilité, elle a pourtant été étendue par la loi du 14 Frimaire en 2 à tous les fonctionnaires sans exception, y compris à ceux qui en étaient jusqu'ici exemptés, c'est-à-dire les employés, ces agents inférieurs du gouvernement, même ceux qui n'ont aucun caractère public. En l'an 2, ces employés sont donc, au même titre que les fonctionnaires publics, passibles d'une peine d'indignité en cas de prévarication, d'abus d'autorité et surtout de non-exécution des lois. Le problème en l'an 3, c'est qu'on ne peut pas leur faire de cette stricte application des lois un crime rétroactif, et d'autant moins qu'à la différence des fonctionnaires publics, ils ne disposaient d'aucune parcelle de pouvoir. Comment dès lors imputer à ces seconds couteaux de la terreur ce qu'on peine à faire endosser à ces premières lames, c'est-à-dire la responsabilité de crimes qu'ils n'ont ni commandité ni diligenté, eux qui ne sont en fait que les rouages d'un système qu'ils se sont contentés de faire fonctionner. S'attaquer pénalement à l'un d'eux, c'était ouvrir la boîte de Pandore d'un procès en responsabilité sans fin que cherche à s'épargner la Convention, et donc prendre le risque de déstabiliser l'ensemble de ce gouvernement révolutionnaire que les thermidoriens n'ont aucune intention d'enterrer, mais seulement de réajuster pour lui permettre de rester fort tout en étant désormais juste. Ce qui empêche donc aussi cette épuration, c'est qu'elle est perpétuellement suspendue à cette fameuse réorganisation du gouvernement révolutionnaire qui n'en finit pas de poser problème. La question semblait pourtant avoir été pliée par la loi du 7 Fructidor en 2, dont il a été question ce matin, qui permettait de restituer aux 16 comités de la Convention la tutelle sur ces commissions exécutives et qui leur avait donc confié aussi le soin de les épurer. Sauf que, au lieu de cette épuration, et cette épuration attendue, cette restructuration aboutit en fait à une prolifération sans précédent des effectifs administratifs. D'après Clive Church, le personnel des commissions exécutives serait ainsi passé, en gros, aurait doublé. Il serait passé de 1750 employés en l'an 2 à plus de 3500 en l'an 3, sans compter le personnel des agences, qui fait qu'en gros, on serait autour de 7000. Alors, cette inflation galopante, c'est clairement le résultat du relâchement du contrôle exercé par ces comités sur le personnel de ces commissions, dont il s'avère en fait incapable de maîtriser à la fois le nom et le nombre. Ils se contentent donc de changer leur commissaire et leur chef de division en leur laissant le soin de choisir leurs employés. Ce qui leur a donc permis non pas d'écarter le personnel en poste, mais à l'inverse d'engrossir les rangs en favorisant le recrutement de tous ceux qui en avaient été écartés ou évincés en l'an 2. Ça veut donc dire qu'à l'automne 1794, le principe de justice qui a guidé cette redistribution des places s'est traduit non pas par l'exclusion des créatures de la terreur, mais par l'entrisme de tous ces laissés pour compte. Et à tous ceux qui s'en indignent, quand Bacérès rétorque que l'épuration, quand elle est dictée par des considérations politiques, est contre-révolutionnaire, car elle ne fait que rééditer l'arbitraire de l'an 2. Je le cite. Qu'importe l'homme, ce sont les talents qu'il faut à la République, ce sont des services que demande le gouvernement, point d'exclusion définitive, elles sont injustes et dangereuses. C'est avec de pareils moyens que pendant 3 ans, on avait rempli les places d'hommes révolutionnaires à la manière des conspirateurs. Il ne suffit pas d'être patriote, il faut des moyens pour remplir les places. Ce qui empêche donc de décréter l'épuration, c'est aussi une répugnance d'ordre moral. Puisque cette épuration, elle est lestée du souvenir de la terreur dont elle fut l'une des composantes à part entière du dispositif d'excommunication. Autrement dit, ce qui interdit de faire de l'épuration une véritable politique de l'an 3, c'est qu'elle a été une pratique de l'an 2. Alors, comme on ne peut pas se permettre de la faire en fonction de ce critère pénal et moral de l'an 2, c'est-à-dire en fonction du critère de l'indignité, on va la faire de façon euphémisée ou déguisée au nom de 2 impératifs, non pas de salut public, mais d'utilité publique. Ces impératifs, c'est 1, l'économie budgétaire, 2, l'efficacité administrative. Et c'est cette double exigence qui va donner naissance, le 3 décembre 1794, à la commission des 16. Alors cette commission des 16, ce n'est pas à proprement parler une commission d'épuration, puisque ce qu'on lui demande, c'est de faire un rapport sur la réorganisation du gouvernement révolutionnaire, et plus particulièrement sur les commissions exécutives.
Pour cela, elle va donc se diviser en 4 bureaux, dont vous voyez ici le détail, dont chaque membre est chargé en réalité de l'expertise d'une commission. Alors ces expertises, elle en fait, un peu. Mais le fameux rapport, elle ne le prononcera jamais, ce qui fait que 4 mois plus tard, c'est son secrétaire, Thibaudeau, qui se charge de l'enterrer au motif qu'elle n'aurait finalement rien fait, ou presque, puisqu'elle aurait eu, je le cite, non seulement beaucoup de peine à se former, et encore davantage à s'assembler. Ce qui en fait n'est pas tout à fait faux, si l'on en juge par son registre de procès-verbaux. En effet, sur les 26 séances qu'elle va tenir entre le 11 décembre et le 17 mars, 6 doivent être levées faute de députés suffisants. En outre, sur les 21 députés qu'elle rassemble, seulement 6, que vous voyez ici en rouge, ont en fait participé à plus de 15 de ces séances. 6, c'est peu. Pour réussir à démêler l'écheveau extrêmement complexe de ce Léviathan qu'est littéralement le gouvernement révolutionnaire. Et ce, d'autant plus que cette commission-là va se heurter en fait à 3 difficultés. La première, c'est que rares sont les administrations qui daignent lui envoyer autre chose que ça, c'est-à-dire en fait l'organigramme de leur bureau. Elles se dispensent en revanche soigneusement de leur délivrer leurs états de personnel, ce qui fait qu'on ne peut pas décréter une épuration quand on ne sait pas ce qu'il y a, qui est dedans. Et en l'occurrence, ces états du personnel, seulement 4 en réalité, 4 organismes lui remettent, à commencer par cette espèce de monstre qu'est la commission du commerce, qui compte à elle seule près de 1200 employés. Deuxième problème, c'est que cette commission, elle est en quelque sorte privée de sa raison d'être moins d'un mois après sa création. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est sans elle que va se faire la restructuration de 3 commissions exécutives qui étaient plus particulièrement dans le collimateur des députés et qui correspondent en fait aux 3 commissions qui s'occupaient de l'économie de guerre de l'an 2 et qui vont donc faire les frais de l'offensive libérale de l'an 3. Ces 3 secteurs, c'est premièrement le ravitaillement, dont la question est réglée dès le 11 décembre par l'abolition du maximum, ce qui va permettre donc en réalité de réduire les bureaux de la commission du commerce de 6 agences à 3. Le second, c'est la fabrication des armes, dont la mise en régie est abrogée dès le 13 décembre, ce qui permet donc en réalité de supprimer l'agence des armes portatives. Et enfin, les transports et les postes, qui sont elles aussi rendues à l'entreprise, ce qui permet donc de vider la commission qui s'en chargeait de tous ses employés. Enfin, troisième problème, c'est que cette commission des 16, elle est surtout systématiquement court-circuitée par le comité des finances, qui va s'adjuger en réalité la haute main sur cette restructuration. Car à défaut de pouvoir éliminer les hommes, eh ben, le plus simple est encore de supprimer leur bureau. Alors, dès le 23 janvier, ce comité fait adopter une révision de la grille de traitement qui, officiellement, ne vise qu'à améliorer le salaire des employés et qui, en réalité, va lui permettre, pour des raisons complexes, je passe, de tailler dans le vif des bureaux, quitte à jeter sur le pavé des centaines d'employés. C'est donc pour endiguer le ressentiment de toutes ces victimes, à la fois de ce virage libéral et en même temps de ce tour de vis budgétaire, que la Convention va adopter 2 mesures. D'un côté, elle multiplie les décrets en faveur de l'indemnisation de ses employés réformés, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été réduits au chômage technique. Et puis de l'autre, elle renforce aussi sa surveillance sur ses fonctionnaires destitués, qui sont tenus, à partir de la loi du 23 février, adoptée sur rapport de Merlin de Douai, de se retirer dans leur commune sous peine d'un emprisonnement de 6 mois. Ça signifie que ces fonctionnaires destitués, ils restent, conformément à la loi des suspects du 17 septembre 1793, des suspects. Et des suspects qu'il convient encore d'éloigner de la capitale, conformément au décret du 27 Germinal en 2. Sauf que ça signifie aussi, du coup, que toutes ces destitutions maquillées en suppression ou en restructuration, elles n'ont été pas tout à fait neutres d'un point de vue politique. Elles dissimulent en fait une politique de représailles tacite à l'encontre de toutes ces reliques de l'an 2. Et cette politique de représailles, elle devient explicite à partir du printemps 1795. Dès le 7 avril, c'est encore le comité de finances qui impute la responsabilité des émeutes de Germinal à tous ces, je cite, « patriotes exclusifs qui gangrènent encore l'administration et qui doivent donc en être exclus et même punis ». Punir, c'est impossible, ou presque, puisque Merlin de Douai avait pris soin, la veille, de faire adopter une loi qui visait justement à mettre à l'abri les employés de ces représailles judiciaires, puisque ce décret stipulait qu'il ne pouvait être déféré devant le tribunal de Paris que sur l'approbation préalable du comité sous la surveillance duquel il se trouvait. On maintenait donc une sorte de principe d'immunité judiciaire. Exclure, en revanche, c'est possible. Et c'est ce que le comité de finances va faire au lendemain des journées de Prairial par le biais d'un plan de, je cite, « réduction » qui est adopté le 17 juin et qui a en fait toutes les allures d'un véritable plan d'épuration.
Il oblige en effet les commissions exécutives à limoger un tiers de leurs employés avant le 1er juillet, c'est-à-dire en 15 jours. Et sous couvert de ramener l'ordre et l'économie dans l'administration, le rapporteur désigne clairement les cibles privilégiées de cette purge. C'est cette armée de prévaricateurs à l'origine de l'insurrection de Prairiale et qui, sous la terreur, est la même qui n'aurait rien fait, je cite, pour arrêter les bras des assassins du peuple et épargner les larmes répandues chaque jour sur les crimes de la tyrannie. Ceux qui, en revanche, regardez le décret, avaient été éloignés sans motif par l'intrigue et la tyrannie, ceux-là sont clairement désignés comme des candidats privilégiés au replacement, ou plus exactement, au remplacement de tous les favoris de la terreur, politiquement désignés par cette loi comme ayant pudiquement manifesté des principes contraires à la probité, à la justice, à l'humanité, à la révolution. En clair, ces deux alinéas suffisent en fait pour autoriser les commissions à mener une épuration de nature politique dans le sens d'une réaction dont les députés ne mesurent finalement la dangerosité seulement qu'au lendemain des journées de Vendémiaire. Car dans cette affaire de Vendémiaire, il est clair que les employés n'ont pas été tout à fait innocents, ce qui force donc la convention expirante à nommer pour la première fois une commission d'épuration pour faire enfin un grand ménage dans ses bureaux, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire pour en extirper ceux qui sont désormais qualifiés de royalistes. Alors comment faire ? Comment faire pour confondre les employés suspects d'avoir sinon participé, du moins cautionné cette insurrection qu'ils s'empressent de qualifier de royaliste ? Pour le moine, il y avait un moyen assuré, c'était de, je cite, « destituer tous ceux qui, dans les journées de révolte, ne sont pas restés à leur poste ». Cette mesure-là, elle n'a rien de neuf, puisque l'obligation de présence des fonctionnaires en cas de danger de la patrie avait déjà été décrétée le 2 septembre 1992. Elle n'a en tout cas rien d'infaillible, d'abord parce que les chefs de bureau s'empressent en réalité de donner des faux certificats de congé ou des faux certificats de présence à leurs employés, et puis d'autre part parce que les absents se justifient de leur absence par des moyens invérifiables. Car autant l'excuse de la maladie qui semble avoir littéralement décimé les bureaux les 12, 14 vendémiaires paraît bien faible, autant l'argument, le motif de la confusion qui régnait alors dans Paris et qui a empêché un certain nombre d'entre eux à se rendre à leur bureau est suffisamment fondé pour les disculper. Donc, comme le motif de l'absence n'est pas suffisant pour permettre en réalité de confondre ces employés suspects, la Convention autorise sa commission d'épuration à ratisser beaucoup plus large, c'est-à-dire à destituer tous les employés qui seraient soit d'un royalisme prononcé, soit qui se seraient soustraits à la réquisition, soit qui seraient notoirement inutiles ou incompétents. Alors, d'après Clive Church et Catherine Kawa, cette ultime tentative de purge aurait échoué, faute de temps, surtout faute de preuves, au point que les listes d'épuration qu'elle a produites n'auraient eu que très peu d'influence sur la recomposition des ministères au début du directoire. Alors, à mon avis, c'est à nuancer. C'est à nuancer en tenant compte d'abord de la composition de cette commission. Commission qui a réuni 15 membres, dont les 6 plus actifs que vous voyez en fait ici sont en fait donc Blutel, Guillaumard, Lefebvre, Boucher-Saint-Sauveur, Lemoine et Merlinot, c'est-à-dire des députés qui, sans être des poids lourds de l'Assemblée, sont en revanche des chevilles ouvrières des comités et qui, même pour 4 d'entre eux, sont aussi d'anciens cadres de la commission des 16. On a donc là des députés qui bénéficient d'une solide expertise sur ces commissions exécutives qu'ils ont eues sous leur tutelle dans le cadre des comités ou alors dans leur viseur dans le cadre de la commission des 16. Donc ils les connaissent. C'est à nuancer aussi du point de vue du protocole d'enquête que cette commission adopte qui vise précisément à éviter toute destitution arbitraire. Ça commence d'abord par un interrogatoire des chefs de bureau sur les talents, mais aussi le critère qui avait été écarté par Cambacérès, le critère de la moralité. Ça continue ensuite par une enquête sur chaque employé absent ou suspect, qui fait donc l'objet d'une enquête individuelle qui conjugue en fait 4 critères. 1. Leur section d'origine, pour identifier tous ceux qui sont domiciliés dans les sections sensibles, c'est-à-dire toutes celles qui ont été les moteurs de l'insurrection, à commencer par l'insurrection, la section Le Pelletier, qui comptabilise au total 9% des 689 employés dont j'ai pu identifier le domicile, ce qui n'est pas rien. Deuxièmement, l'âge pour débusquer ceux qui pourraient appartenir à cette jeunesse dorée qui a fourni le gros du contingent des insurgés. Troisièmement, la carrière, pour pouvoir repérer la date d'entrée dans les bureaux et identifier ainsi tous ceux qui ont pu profiter de la réaction pour entrer ou pour réintégrer dans l'administration. Et enfin, les dénonciations, mais qui ne valent que comme simples facteurs aggravants. C'est à partir de la confrontation de ces 4 éléments
à charge ou à décharge, que chaque rapporteur dresse la liste de ses employés qu'il estime susceptibles d'être démis de ses fonctions. Et c'est à partir de ces listes plus ou moins détaillées que la commission dresse elle-même des états d'épuration après avoir statué collégialement en faveur de la destination ou alors, lorsqu'elle n'a pas suffisamment d'éléments, en faveur du bénéfice du doute. Au total, ce sont donc 29 états d'épuration qui sont remis au directoire le 11 novembre, mais en précisant bien qu'il ne s'agit là que d'un travail partiel et inachevé, qui ne porte pas sur toutes les commissions et qui, faute de temps, n'a pas pu être mené de façon suffisamment poussée. Ça veut donc dire que c'est au directoire qu'il incombe de prononcer ces destitutions, que la commission, quant à elle, se contente seulement de préconiser. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Pas très rapidement, ça donne ça. Ça donne que, d'après les 27 États conservés sur les 29, on a 213 employés qui sont signalés comme suspects. Et on en a 461 qui sont désignés comme passibles d'être destitués et qui sont répartis de la manière suivante, c'est-à-dire en fait à peu près la moitié pour les administrations connexes, j'y reviendrai, et de l'autre pour les comités et les commissions exécutives. Alors, en réalité, ces administrations, elles n'ont pas été choisies au hasard. On a ciblé celles qui avaient fait l'objet de cette épuration de prairiale. Ce qu'il montre, par exemple, c'est la manière dont sont réparties ces destitutions. Au niveau des commissions, on a choisi en priorité d'enquêter sur celles qui étaient considérées comme le foyer de royalistes patentés, c'est-à-dire la commission de marine et la commission des relations extérieures, qui payent le prix fort. Mais on a également choisi celles qui avaient fait l'objet de l'offensive libérale thermidorienne, c'est-à-dire la commission des travaux publics et des secours publics, qui compte à elle seule plus de la moitié en réalité des destitutions. Idem pour les comités. Les comités, en réalité, on a très peu enquêté sur les comités. Les deux seuls qui étaient ciblés, c'était les deux comités de gouvernement, à commencer par le comité de salut public, qui compte à lui seul 127 destitutions, c'est-à-dire un quart de ses employés. C'est vrai, enfin, pour les administrations sous la tutelle des commissions, ou alors les administrations parisiennes, qui ont été soit dénoncées comme le foyer de sectionnaires, d'abord terroristes puis royalistes, puis comme le QG des prévaricateurs, c'est-à-dire l'administration des postes, juste devant la trésorerie nationale et les deux administrations en charge des domaines nationaux. Le bilan, c'est donc que cette commission a finalement cherché avant tout à réparer les conséquences de la réaction orchestrée à partir du printemps 95, en évinçant en fait tous ceux qui ont pu en profiter pour s'adjuger des places dont ils avaient été écartés en l'an 2. Mais parallèlement à ces états d'épuration, cette commission a aussi fourni la liste de tous les candidats jugés dignes d'être réintégrés après avoir été injustement soit réformés suite aux suppressions, soit, on le voit là, destitués à la suite de la réaction. En cela, la commission des 17 s'est mise au diapason finalement de la commission expirante qui, au crépuscule de son règne, finit par mettre à l'ordre du jour ce principe de réparation en faveur d'abord des militaires destitués et ensuite des fonctionnaires incarcérés pour avoir appliqué la loi des suspects avant que ne soit décrétée l'amnistie. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'il reste encore évidemment beaucoup à faire sur le personnel de ces commissions exécutives, dont seule une étude fine permettrait de saisir la nature et l'ampleur de ces renouvellements successifs de l'an 2, entre l'an 2 et l'an 3. Emmanuel Loyer a bien noté que dire l'épuration, c'est de faire. Mais la terre, c'est aussi un autre moyen de la faire, mais de façon plus discrète. Comment ? À l'automne 94, ce fut par l'afflux massif de nouveaux entrants. Jusqu'au printemps 95, ce fut par la suppression de segments entiers de l'administration et durant l'été 95, par la réduction aussi drastique que ciblée de son personnel. Cette épuration qui ne dit pas son nom a donc obéi, n'en déplaise aux adeptes de Max Weber, à une logique politique de réparation à l'égard d'abord des victimes de l'an 2, puis in extremis des victimes de l'an 3. Est-ce que ça suffit pour autant pour l'inscrire dans un processus de justice transitionnelle ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que cette épuration-là, elle s'inscrit en fait dans une logique non pas de condamnation judiciaire, mais seulement d'éviction, une éviction aux allures d'ailleurs de représailles. Parce que aussi, faute de règles de destitution, cette épuration ne restaure pas un régime de justice, elle ne fait que consacrer un nouveau règne de la faveur. Et enfin, parce que jusqu'à l'été 95, le gouvernement révolutionnaire n'a jamais été considéré comme un gouvernement de transition, mais bel et bien comme le gouvernement de la République, certes provisoire, et encore à mains égards exceptionnels, mais qu'on cherche malgré tout à faire perdurer. En définitive, ce n'est peut-être pas un hasard si l'épuration n'est pas mentionnée en tant que telle dans l'éventail des processus et des mécanismes de justice transitionnelle tels qu'ils sont recensés
en 2004 par l'ONU. Qu'elle soit trop large quand elle vire au règlement de compte ou qu'elle soit à l'inverse trop ciblée quand elle tente à l'amnistie, l'épuration emporte toujours avec elle un goût d'inachevé, voire une part d'arbitraire qui échoue presque toujours à étancher la soif de justice des victimes. Merci, merci beaucoup Virginie. On voit qu'effectivement il y a eu une ébauche d'épuration administrative, si j'ai bien compris. Ceci étant, même si c'est une ébauche, on s'oriente vers une garantie de non-répétition, au sens des critères de Joanet qu'on évoquait au début du colloque, puisqu'il y a un travail d'éviction, mais aussi de réintégration d'un ensemble de fonctionnaires qui sont réputés comme pouvant exercer ces fonctions. Donc, bon, on pourra en discuter lors du débat tout à l'heure. Maintenant, nous allons entendre Stanislas de Chabalier, amnistié, pour clore la révolution. Nous sommes toujours à la fin de la période considérée à la fin de l'an 3. Prenez le micro et l'ordinateur. Alors, je vais commencer, comme les intervenants qui ont parlé avant moi, par remercier les organisateurs, et notamment Hervé Levers, qui me permet de parler aujourd'hui devant vous, de cette amnistie du 4 Brumaire en 4, ou du 26 octobre 95. Le 26 octobre 95, donc, la convention thermidorienne se sépare avec une conviction, semble-t-il, celle d'avoir accompli sa mission, à savoir donner une constitution à la République, et ainsi achever la révolution. Cet achèvement de la révolution est marqué par un décret portant abolition, c'est celui du dessous, des procédures, poursuites et jugements portant sur des faits relatifs à la révolution. Alors évidemment, ça renvoie à un décret qui avait été adopté 4 ans plus tôt par l'Assemblée constituante au moment de se séparer pour donner naissance à la législative. Ce décret du 14 septembre 1791 qui, lui, porte abolition de toute procédure commencée et de tout jugement rendu sur des faits relatifs à la Révolution. Alors, les décrets semblent très semblables, même s'il y a tout de même cet adverbe évidemment très ambigu pour un juge qui apparaît dans le décret de 1795, les faits purement relatifs à la Révolution. Malgré cette apparence de similitude, on remarque quand même, et je reviendrai là-dessus par la suite, que l'amnistie de 1795 présente de très nombreuses exceptions, au premier rang desquels l'exception des condamnés, des futurs condamnés, donc des émeutiers de Vendémiaire. Elle a parfois été décrite, cette amnistie du 4 Brumaire en 4, comme une contradiction de Thermidor par Thermidor. En réalité, je crois qu'elle met surtout en lumière une aspiration paradoxale et simultanée des Thermidoriens, qui a pu faire écrire à Bronislav Bashko, dans le même ouvrage, que la revanche était une passion thermidorienne, mais que pourtant, la clémence était une caractéristique du pouvoir thermidorien. Les deux ont cohabité, et je crois que le décret d'amnistie du 4 Brumaire le montre assez bien. L'objectif de l'intervention, c'est justement d'éclairer la genèse de ce décret et de voir comment il met en lumière cet apparent paradoxe, cette apparente tension entre le besoin de pardonner et celui de sanctionner les coupables. Alors, je commencerai par aborder les discours parfois très stéréotypés qui défendent l'amnistie, en réalité, dès le mois de décembre 1994. Et puis, j'aborderai la façon dont l'amnistie a finalement été liée au processus constitutionnel pour devenir, en fait, dans certains discours et même dans les faits, une sorte d'excroissance, de complément du processus constitutionnel. Et enfin, j'aborderai, en fait, les restrictions du décret, les restrictions qui, concrètement, font que cette amnistie, que l'on appelle amnistie générale, que les députés appellent amnistie générale dans leur discours, est en fait très restrictive et qu'elle n'a de générale bien que cette appellation dans les discours. Alors, bon, j'ai identifié ici les principaux discours sur l'amnistie. J'aurais peut-être dû distinguer ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, parce que Gérande, par exemple, s'y oppose, mais bon.
Donc les principaux discours sur l'amnistie, et ce qu'on voit, c'est qu'ils apparaissent avant, bien avant en fait, le décret final qui est symbolisé par un point rouge, enfin un cercle rouge à la fin. J'ai mis le discours de l'Indé entre parenthèses, on en a parlé, c'est ce fameux discours du 4e sans-culottide de l'an 2, qui appelle à l'oubli des crimes, peut-être un oubli qui est prudemment appelé à ce moment-là. Mais il ne demande pas concrètement d'amnistie générale, même si beaucoup d'auteurs, comme Sergio Luzzatto, y voient un appel tacite à l'amnistie. Mais d'un point de vue strictement parlé, on ne peut pas parler d'appel à l'amnistie, puisqu'il ne prononce pas le terme. Le premier a demandé à la Convention de prononcer un décret d'amnistie générale, c'est Cambacérès, en décembre 1794, dans un contexte qui est évidemment marqué par l'ouverture, donc je sais maintenant qu'il ne faut pas dire du procès, mais de la procédure contre Carrier, mais également par le rappel des députés dont on a parlé ce matin, mais également par la mise en accusation, pas encore le décret d'arrestation, mais la mise en accusation de ceux qu'on appellera plus tard les grands coupables, mais également par l'amnistie accordée aux Vendéens le 2 décembre 1794. Donc dans ce contexte, où on a l'impression que les principaux coupables vont être sanctionnés, sont sur le point d'être sanctionnés, et où la clémence de la nation, incarnée par l'amnistie vendéenne, s'est déjà manifestée, plusieurs députés estiment qu'il est temps de d'étendre l'indulgence nationale. Alors c'est le sens du discours de Cambacérès, mais comme l'a rappelé Jean Dandelot ce matin, il parle toujours d'une clémence prudente, et le fond du discours de Cambacérès, c'est qu'il faut pardonner à l'erreur et sanctionner le crime. Et ça, c'est très important parce que tous les discours sur l'amnistie rappellent cette même chose. Il est important de ne pas prononcer un décret d'impunité, mais de tracer en fait une ligne entre le pardonnable et l'impardonnable, donc entre des hommes égarés, dont parle Boudin un mois plus tard, et les criminels. Et alors, ce qui est intéressant, c'est cette figure de Carrier dont on a parlé hier, qui en fait vient incarner le criminel, vient incarner, on a plusieurs fois, les intervenants ont déjà évoqué cette fonction de bouc émissaire qu'il joue, et dans le discours de Boudin, c'est très clair, Boudin érige le représentant du Cantal comme archétype en fait du représentant coupable, du représentant qui, lui, doit absolument être châtié pour permettre à la République de retrouver un fonctionnement normal. Les autres ont commis des erreurs, alors Boudin le rappelle, Cambacérès aussi, et Baudin le rappellera en octobre 95. Les autres ont commis des erreurs parce qu'ils ont été pris dans ce torrent rapide qu'est la Révolution, dont personne ne sort tout blanc. Donc c'est ce que dit Boudin, si on sanctionne les députés, alors lui il considère que puisque Carrier a été sanctionné, puisqu'évidemment Couthon, Robespierre, Saint-Just sont tombés, et que Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Vadier sont déjà en accusation, Boudin considère que les principaux coupables ont été punis, et c'est aussi d'ailleurs la teneur du discours de l'Indé un petit peu plus tôt. On peut désormais considérer qu'il faut décréter une amnistie, sans quoi tous les représentants, à un moment ou à un autre, c'est ce qu'il dit clairement, seront peut-être mis en accusation. Et alors Boudin se refuse à donner le spectacle à l'Europe d'une nouvelle boucherie de députés. Je lui emprunte le terme, boucherie de députés. Cette amnistie, donc, est le prix de la réconciliation. Et ici, on voit un parallèle avec ce qui a été décidé en 1791, puisque en 1791, la loi avait été présentée comme une loi de réconciliation, à la veille de la promulgation de la première constitution. Alors Boudin, cependant, n'est pas entendu, Cambacérès non plus, son discours est renvoyé au comité, on n'entend pas parler par la suite. Boudin, lui, se trouve un contradicteur en la personne de Legendre qui refuse l'idée de l'amnistie et qui s'engage, s'il est coupable, à passer devant ses juges. Donc sa proposition d'amnistie, peut-être la fait-il trop tôt, en tout cas ne se concrétise pas. On peut en dire autant de la proposition de Duhem. On est dans un contexte différent. Donc on le voit ici à la fin du mois de mars, à la veille des émeutes de Germinal. Duhem propose une amnistie, et alors lui, ce qu'il fait de particulier, en tout cas il est le premier à le faire très clairement, c'est qu'il lie l'amnistie à l'acte constitutionnel. Il évoque la question de la situation à Lyon, et ça rejoint en fait ce que disait Valéry Sotocasa hier.
Duhem se demande si on peut raisonnablement espérer appliquer une constitution, donc il se demande si la constitution veut et peut faire appliquer une constitution quand on massacre dans le sud de la France, et il prend l'exemple de Lyon, en l'occurrence. Alors évidemment, la proposition de Duhem fait long feu, puisque quelques jours plus tard, il est lui-même arrêté pour avoir sympathisé avec les émeutiers de Prairial. Ce qui apparaît malgré tout dans ces différents discours, et même dans celui de Louvet du Loiret au lendemain de l'émeute de Prairial, c'est que les représentants voient cette éventuelle amnistie qu'ils proposent comme une façon d'obtenir la réconciliation, et peut-être presque parfois dans les discours de forcer la réconciliation. Prononcer une amnistie, c'est arracher la France à son passé révolutionnaire, puisqu'au-delà de la réconciliation entre les individus, il s'agit de réconcilier les individus avec la République. Alors, j'ai oublié, bon, mais c'est pas très grave. Donc, il s'agit de réconcilier les individus avec la République et, comme le dit Boudin dans son discours, de rallier sous les bannières de la République ceux qui s'en sont écartés pendant la mêlée. Et les débats qui mènent à l'amnistie pour les Vendéens en décembre 1794, très souvent, est défendu avec des arguments similaires, à savoir les Vendéens ne sont susceptibles d'adhérer à la République que si la République leur montre toute sa mansuétude. Les discours donc, qui, comme celui de Boudin, présentent l'idée d'une réconciliation qu'on ne peut obtenir que par l'amnistie, rappellent souvent le besoin en fait, de dépasser les clivages révolutionnaires. Donc voilà cet extrait du discours où il évoque le spectre du passé qui plane sans cesse dans les débats à l'Assemblée et qui en fait étouffe la vérité, qui en quelque sorte immobilise le fautif dans sa faute. Puisque quand quelqu'un prend la parole, on ne se demande pas, c'est ce que dit Boudin, ce que ce député a proposé, ce qu'il veut proposer, mais plutôt ce qu'il a été. Donc on dit de l'un, il a été jacobin, il a voté l'appel au peuple, on a été nomme, prêtre, homme de loi, on a approuvé ou désapprouvé les journées du 31 mai, du 1er et du 2 juin. La prévention étouffe donc la vérité. Et hier, on a parlé de trouver la vérité, et donc, dans le discours de Boudin, sans amnistie, la méfiance étouffera la possibilité même de trouver la vérité. L'amnistie, à terme, alors pas chez Boudin, mais en tout cas, je remets ce document, chez Duhem puis chez Louvet, est très liée à la question de la Constitution. Et en réalité, ce qu'on remarque, c'est que la commission dont Boudin est le rapporteur, donc en octobre, je vais pas remettre ça à chaque fois, la commission dont Boudin est le rapporteur est la commission des 11. Et Sergio Luzzatto, c'est peut-être pas étonné, mais en tout cas, a remarqué que ça pouvait paraître surprenant que le rapporteur de ce décret d'amnistie soit un représentant de la commission des 11, puisque la commission des 11 n'a pas du tout été formée pour prononcer une amnistie, mais bien pour donner une constitution à la République. Alors, c'est vrai que ça peut sembler contradictoire, mais pourtant, ça inscrit ce décret d'amnistie dans une logique constitutionnelle, puisque on voit que les deux sont assortis. Mais c'est ce que disait Duhem d'ailleurs, hein, qu'on ne pourra pas faire fonctionner une constitution, tant qu'on n'aura pas prononcé une amnistie. Dans un imprimé de Boudin qui est difficile à dater précisément, mais qui date probablement de la deuxième moitié de l'année 1796, il justifie son décret du 4 Brumaire, donc quasiment un an plus tard, en expliquant que dans un premier temps, il avait été prévu que le comité de législation rédigerait une constitution. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Boudin explique dans cet opuscule que l'amnistie devait être prévue par la loi du 5 Fructidor sur la Constitution. Il dit qu'un article 3 devait annoncer que le comité de législation préparerait une loi de l'amnistie, mais qu'on a supprimé ce décret après en avoir discuté lors d'une réunion des trois comités. On a décidé de supprimer ce décret pour ne pas que ça semble être un appel au crime et une promesse d'impunité pour tous ceux qui commettraient des délits avant l'entrée en vigueur de la Constitution. Donc ce que ça montre surtout, c'est que ce n'est pas l'émeute de Vendémiaire qui a poussé le législateur à prendre ce décret d'amnistie, même si évidemment, il en a dessiné les contours. J'y reviendrai juste après. Donc, comme le dit Boudin, finalement, il est décidé que ce décret d'amnistie, pour ne pas laisser l'impression de l'impunité, sera l'acte ultime de la Constitution.
sera le dernier décret de la Constitution, ce qui montre bien que l'amnistie est envisagée comme une sorte de point d'orgue du processus constitutionnel mis en œuvre par la Convention thermidorienne. Le discours que prononce Bodin à l'Assemblée le 2 Brumaire au nom de la commission des 11 dont il est le rapporteur demande une amnistie qui est en fait beaucoup moins restrictive que celle qui sera prononcée deux jours plus tard le 4 Brumaire. Bodin n'envisage pas d'exclure de l'amnistie les émeutiers de Vendémiaire qui sont considérés, représentés par les conventionnels comme des émeutiers royalistes. Il envisage, et ça montre encore une fois à quel point dans l'esprit du législateur que représente Bodin dans ce discours, ça montre à quel point amnistie et constitution sont liées, puisque Bodin envisage d'exclure de l'amnistie ceux qui s'opposeraient à l'entrée en vigueur de la Constitution. Pas nominalement les émeutiers de Vendémiaire, mais ceux qui s'opposeraient à l'entrée en vigueur de la Constitution. Donc les deux vont ensemble. L'amnistie, en quelque sorte, est un petit peu un pilier supplémentaire apporté à la Constitution, une loi qui permettrait, c'est en tout cas ce qu'on en espère, de rendre le directoire pérenne. Néanmoins, le décret qui est pris, finalement, n'est pas celui qu'avait proposé Bodin, et Bodin le dit, le rappelle dans l'opuscule que j'évoquais tout à l'heure, puisque la Convention abolit toute procédure, poursuite et jugement portant sur des faits purement relatifs à la Révolution. Tous détenus seront immédiatement élargis s'il n'existe point contre eux des charges relatives à la conspiration du 13 Vendémiaire dernier. Donc, l'amnistie qu'avait proposé Bodin est resserrée. Alors évidemment, là je le dirai juste après, mais les émigrés aussi sont exclus, mais ça, dans toutes les propositions d'amnistie générale, ça a toujours été il y a toujours eu un consensus sur cette question. Donc, les émeutiers de Vendémiaire sont éliminés parce qu'ils sont identifiés, à ce moment-là, comme la première menace qui pourrait peser sur la Constitution que les conventionnels veulent faire fonctionner. Mais ça veut dire quand même quelque chose d'important. Le deuxième en nous dit que les émeutiers de Vendémiaire donc, seront exclus de l'amnistie, notamment ceux à l'égard desquels il y a une instruction commencée ou des preuves acquises relativement à la même conspiration, donc les procédures en cours iront à leur terme, seront menées à terme, mais aussi ceux contre lesquels il en sera acquis par la suite. Ce qui veut dire que dans le directoire, on envisage tout à fait que des procès aient encore lieu pour des faits relatifs à la Révolution, ce qui paraît quand même en contradiction avec ce qu'est une amnistie. Alors, on peut se demander si dans l'esprit des conventionnels, la Révolution est vraiment terminée. Par rapport à ceux qui avaient rédigé le décret de 1791, on a l'impression que cette conviction est moins profonde. En tout cas, si la Révolution touche à son terme, elle est encore exposée à des dangers, et une amnistie trop générale serait probablement, dans l'esprit des conventionnels, funeste, enfin pas probablement, mais en fait les discours le disent, serait funeste à la Constitution qu'ils veulent faire entrer en vigueur. Cette amnistie qui est très restrictive, donc voilà, il y a également les prêtres déportés qui sont exclus, les émigrés, les fabricateurs de faux assignats ou de fausses monnaies. Donc cette amnistie qui est très restrictive, en fait, en dit long sur l'état d'esprit des thermidoriens, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment une contradiction de Thermidor par Thermidor. C'est peut-être plutôt une concrétisation de Thermidor, puisque on voit ici, je crois qu'on se situe dans la logique d'une recherche de l'équilibre et surtout dans un désir très assumé, en fait, de faire fonctionner un régime. Et à ce moment-là, c'est ce que dit Bodin dans le petit opuscule que j'ai déjà mentionné, à ce moment-là, ceux qui représentent un danger pour le régime qu'on veut faire fonctionner, ce sont les émeutiers de Vendémiaire. Donc à ce moment-là, c'est eux qu'il faut exclure de la clémence nationale. Et quand on reproche à Bodin de ne pas exclure les émeutiers de Prairial ou de Germinal, il rétorque que ceux-ci ont été sanctionnés, et que de toute façon, ce ne sont pas eux qui, à ce moment-là, sont dangereux. Il y a quand même un article 7 qui me paraît intéressant, et je crois que c'est Michel Biard le disait tout à l'heure, qui montre qu'en fait, les conventionnels, à la fin de Thermidor, n'envisagent pas complètement la sortie de l'état d'exception. Parce que l'article 7 nous dit « Le directoire exécutif pourra différer la publication de la présente loi dans les départements insurgés ou présentement agités par des troubles. » Ça veut dire que cette loi qui est conçue pour permettre un retour à un fonctionnement normal des institutions, porte en elle la possibilité de prolonger l'exception. La difficulté, en fait, de ne pas revenir à un fonctionnement normal des institutions et de la justice, puisque l'amnistie
pourra ne pas être appliquée selon les besoins et selon la précision du directoire exécutif. De fait, on peut conclure en disant que cette amnistie, elle semble révéler l'incertitude des acteurs qui sont peut-être marqués, certainement marqués, par l'expérience révolutionnaire qu'ils ont vécue et qui, évidemment, est très différente de celle qu'avaient vécue les constituants en 1791. Et en guise de conclusion, je présente cette résolution du Conseil des 500 du 4 primaire en 5, donc un petit peu plus d'un an après le décret d'amnistie, qui applique les dispositions de la loi du 3 Brumaire, donc c'est-à-dire de la loi qui excluait des fonctions publiques les parents d'émigrés, etc., qui applique cette décision de la loi du 3 Brumaire à ceux qui n'ont été garantis de poursuite que par les effets de l'amnistie. Là, je crois qu'on ne fait pas beaucoup plus évident comme négation de l'amnistie, puisqu'en fait, on déclare que ceux qui ont été amnistiés seront regroupés dans une catégorie d'amnistiés, donc c'est le contraire de l'amnistie, puisque l'amnistie, c'est l'oubli. On renonce complètement à l'oubli, et ces personnes-là, donc, auront même un statut qui sera différent parce qu'ils auront été amnistiés, parce que s'ils n'ont pas été jugés, ce sera uniquement grâce à l'amnistie. Alors, ici, pour conclure, puisque je crois que j'ai épuisé le temps que je m'étais imparti, pour conclure, je dirais que c'est un petit peu ce que Martine dit à son mari Sganarelle dans Le médecin malgré lui, mais c'est aussi ce que dit Rockin à Patrick Vieira après un tacle appuyé lors d'un match de championnat d'Angleterre en 2002. Je te pardonne, mais tu me le paieras. C'est peut-être un petit peu ce que dit ce nouveau décret qui a été rédigé après la création d'une commission pour proposer une nouvelle rédaction de la loi d'amnistie. Voilà, merci. C'est peut-être aussi ce qu'a dit Zidane quand il a donné un coup de tête à Materazzi en finale de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si tu pardonnais. Bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très intéressant de voir à quel point l'amnistie contient des messages contradictoires et même qui nient son propre projet, puisque d'après ce que vous avez dit, d'après les exceptions qui sont mentionnées, on dessine tout de même la figure de l'ennemi politique qui subsiste. Donc terminer la révolution, pas vraiment. Et l'amnistie comme pacte de l'oubli, vous avez montré les limites que cela effectivement suppose. Maintenant, nous avons une dernière intervention de Hervé Levers. J'avoue que j'ignorais qu'il y avait un débat sur l'abolition de la peine de mort à cette époque. On connaît le grand débat de 1905, où Jaurès s'est remarquablement illustré autour de la question de l'abolition, évidemment le débat de 81 qui a conclu cette abolition, mais déjà en 91, un premier débat a eu lieu, et c'est sur ce débat que Hervé va nous entretenir. Alors le débat de 91, merci Monsieur le Président, le débat de 91, c'est évidemment un très grand débat de mai-juin 1791, et c'est celui dont on parle la plupart du temps lorsqu'on évoque la question de l'abolition de la peine de mort à l'époque de la Révolution. Il y a un autre moment de réflexion qui est l'année 1795, un débat sans débat en quelque sorte, et c'est celui dont je vais parler surtout, mais c'est vrai en comparant avec ce qui s'est passé quelques années plus tôt en 1791. La loi dont on a parlé tout à l'heure, la loi du 4 Brumaire, qui termine la Révolution le 26 octobre 1795, est une loi qui contient en fait deux mesures. On vous a parlé de la mesure la plus connue, celle qui est considérée comme la mesure essentielle, c'est la loi d'amnistie. Mais l'article 1er de cette même loi abolit la peine de mort à compter du retour de la paix générale. Et c'est vrai que c'est une mesure qui passe généralement à la trappe, simplement parce que les conventionnels ont adopté cette mesure sans véritable débat, si bien qu'il n'y a que peu d'échanges d'arguments, en tout cas des échanges d'arguments bien moins développés qu'en 1791. Et ensuite, ils ont laissé à d'autres le soin d'appliquer leur loi. Et à l'époque du consulat et de l'Empire, on se souvient encore de la mesure qui a été adoptée, et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a plus du tout envie de l'appliquer, et finalement, cette abolition apparaît à beaucoup d'auteurs comme une abolition qui n'en est pas vraiment une. Bronislav Bashko parle de vraie fausse abolition de la peine de mort et n'y consacre finalement que quelques lignes. Je crois cependant que la thématique qui nous retient aujourd'hui et cette lecture au travers de la grille de la justice transitionnelle peut permettre peut-être de relire cet événement avec un regard différent et d'essayer de trouver derrière cette mesure qui peut paraître inachevée un sens,
une lecture de cette année 1795 qui est une lecture qui peut croiser celle de la loi d'amnistie et celle de l'abolition en tant que mesure destinée à préparer l'avenir, de mesures qui sont considérées par les auteurs de l'époque comme des mesures indispensables à prendre, nécessaires pour fermer la Révolution, à la fois pour établir l'humanité dont on parle depuis le début de la Révolution, notamment dans la réforme des lois pénales, et pour établir en même temps un lien fort entre républicains et réconcilier la nation, tout au moins réconcilier les hommes qui se reconnaissent membres de la nation et qui ne s'en sont pas exclus eux-mêmes par l'émigration. Mais ce débat qui n'a pas lieu et cette mesure qui n'est pas directement appliquée montre en même temps toutes les contradictions de ces hommes de 1795 qui se sentent la nécessité d'adopter cette abolition de la peine de mort et en même temps l'impossibilité de l'établir de suite, d'où une sorte de ce que j'ai appelé une impossible nécessité qu'ils ressentent et qui transparaît dans les textes. Alors pour faire ressortir cette impossible nécessité, je ne m'intéresserai pas simplement à la mesure elle-même, mais aux esquisses de débat qui ont eu lieu durant l'année 1795. Il y a en fait trois moments où le débat semble pouvoir émerger autour de cette question-là, en janvier, en avril et d'août à octobre 1795. Trois moments qui sont des moments tout à fait particuliers, avec des contextes différents bien évidemment, mais qui permettent de comprendre la spécificité de cette abolition qui est proposée. La première spécificité de cette abolition qui est proposée, c'est d'abord que c'est une abolition qui se conçoit en lien avec l'amnistie. C'est en effet une même loi d'amnistie, c'est dans la loi d'amnistie que l'abolition de la peine de mort est adoptée. Et c'est le premier article de cette loi d'amnistie. Il y a là un lien qui apparaît très tôt, qui apparaît en fait dès janvier 1795, la première fois où, durant cette année 1795, la question de l'abolition est adoptée. On est ici quelques semaines après le procès Carrier, et c'est Champigny-Aubin qui prend la parole à la Convention. Il a beaucoup de mal à parler, on l'interrompt, on finit par lui accorder la parole. Il n'a pas le temps de lire la motion qu'il avait préparée. Cette motion, elle est d'ailleurs perdue, elle n'est pas reproduite dans la presse, il ne l'a pas prononcée. Elle n'est pas conservée non plus dans les papiers de la série C des Archives nationales. Et il a le temps uniquement de lire son décret. Premier article, c'est l'abolition de la peine de mort. Deuxième article, c'est la destruction des guillotines. Et il y a ensuite une mesure qui précise que pour les émigrés, là, on garde tout de même la peine de mort, de même que pour quelques autres grands criminels de lèse-nation. Les motivations de Champigny-Aubin sont impossibles à restituer. Reste que l'on peut comprendre à son discours bref et aux mesures qu'il propose une abolition de la peine de mort à la fois pour les crimes de droit commun et pour les crimes politiques. Et là, on est dans une différence sensible avec ce qui avait été proposé en 1791, où l'on parlait d'abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun et uniquement pour cela. Donc Champigny-Aubin propose cette abolition. Il est assez mal accueilli. Le cointre de Versailles lui rétorque « Nous ne voulons pas d'amnistie ». Blade rétorque « Il n'y a point d'humanité à sauver des scélérats ». Et on voit très bien que cette proposition d'abolition de la peine de mort est comprise comme une mesure d'amnistie envers ceux qu'on appelle les terroristes à l'époque. Et dès le début du débat, il y a donc ce lien qui est fait, au moins par les conventionnels qui entendent les propositions, ce lien qui est fait entre l'amnistie et l'abolition de la peine de mort. Et ça se confirme dans les jours suivants, puisque quelques jours plus tard, Gérante précise que ce n'est pas le moment de réfléchir à l'abolition de la peine de mort. Et on a également une lettre de la Société populaire de Béthune qui arrive et qui dit que ce n'est pas le moment. Bien évidemment, ils sont très préoccupés par le procès Lebon et ils considèrent que Lebon doit encore être jugé et encore être condamné. Mais l'abolition de la peine de mort n'est pas exclue en tant que telle. Et la lettre des sociétaires de Béthune précise qu'à la fin de la Convention, il serait bien que l'abolition de la peine de mort intervienne et permette de clore cette révolution. Donc la peine de mort, on y pense en janvier, mais on y pense déjà conjointement avec l'amnistie. Le deuxième moment où l'on parle abolition, c'est après
la journée du 12 Germinal en Troyes, au cours de laquelle des Parisiens sont venus réclamer du pain et la Constitution de 1793 à la Convention. En apparence, ça peut paraître contradictoire avec cet événement, puisque juste après cette insurrection populaire, on va prendre des mesures sévères contre les terroristes, qu'on va décider de désarmer. On va également adopter l'exil pour quatre grands coupables, Barère, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois et Vadier, qui sont donc destinés à la déportation, et certains d'entre eux vont subir effectivement cette déportation. Reste que le moment paradoxal de cette sévérité accrue contre les terroristes ou les anciens grands personnages de l'an II est aussi un moment de discussion de l'abolition de la peine de mort, simplement parce qu'on a décidé la déportation de grands coupables. Et à partir de ce moment-là, certains, comme Tallien et Fréron, quelques jours plus tard, le 16 Germinal et le 17 Germinal, proposent désormais d'adopter la déportation plutôt que la peine de mort pour les grands criminels de nature politique. Ce n'est pas dit très clairement par Tallien, le 16 Germinal, il parle de vomir du milieu de nous les responsables les premiers responsables de l'an II, et il pense essentiellement à Lebon, mais Fréron, lui, présente le 17 Germinal, le lendemain, une motion pour l'abolition de la peine de mort. Et cette motion pour l'abolition de la peine de mort est cette fois une motion pour l'abolition de la peine de mort pour crime politique, et uniquement pour crime politique. On est ici, en fait, dans un débat qui suit l'exclusion des grands coupables de l'an II, et cette volonté de mettre un terme à la punition de certains responsables politiques du premier gouvernement d'exception, du gouvernement d'exception d'avant Thermidor. Il y a bien sûr des exceptions que l'on précise dès ce moment-là, notamment les émigrés ne sont pas concernés par cette abolition de la peine de mort qui est proposée par Tallien puis par Fréron. Reste que ce débat, qui est un débat très bref, avec des motions qui sont finalement assez peu débattues, qui sont renvoyées directement au comité, est un débat qui permet aussi de montrer une sensibilité de plus en plus grande des députés à la question de l'abolition de la peine de mort. Et j'en prends pour preuve, quelques jours plus tard, une intervention de Ponce de Verdun, qui reprend une proposition qu'il avait faite en septembre 1794. Ponce de Verdun, en septembre 1794, était intervenu en faveur de femmes enceintes qui étaient passées devant le tribunal révolutionnaire et qui avaient été condamnées. Et il avait fait donc annuler certains de ses jugements. Il revient avec une proposition organisée et préparée par le comité de législation. Il revient devant l'Assemblée le 12 avril 1795 avec cette proposition qui est désormais un peu plus large. Et l'argument qui est le sien, c'est que l'égalité devant les peines n'existe pas en ce qui concerne la peine de mort pour les femmes, simplement parce que la peine de mort est normalement donnée aux condamnés juste après la condamnation. Le but, c'est de ne pas les faire souffrir et de leur faire attendre l'exécution, c'est d'appliquer la peine immédiatement. Or, une femme enceinte, elle doit attendre le temps de la naissance de son enfant pour subir sa peine. Et elle a en plus, ce qui lui paraît et ce qui est particulièrement cruel, cette idée en tête que la naissance de son enfant sera le moment de son exécution. Ponce de Verdun développe donc cette opinion et il obtient de l'Assemblée non seulement que désormais les femmes enceintes ne pourront plus être mises en jugement. Bon, la procédure d'Ancien Régime est déjà une procédure qui ne permet pas, bien évidemment, d'exécuter des femmes enceintes. On les exécute une fois que leur enfant est né. Là, l'idée, c'est qu'on ne peut plus désormais les passer en jugement si elles risquent la peine de mort tant qu'elles sont enceintes. Et il donne même un caractère rétroactif à la mesure, c'est-à-dire que les personnes qui ont été condamnées à mort alors qu'elles étaient enceintes voient leur condamnation à mort purement et simplement annulée. Et dans les semaines suivantes, il y aura pas mal de personnes qui ont été condamnées pour crimes politiques alors qu'elles étaient enceintes et qui vont être purement et simplement libérées. Et juste après cette proposition qui passe, qui est adoptée, Villetard propose de décréter l'abolition de la peine de mort pour les femmes, pour toutes les femmes, de manière à ce qu'il y ait une égalité entre les mères et les futures mères. Ce n'est pas adopté, mais c'est renvoyé au comité de législation. Arrive le troisième moment du débat. Le troisième moment du débat, c'est l'été 1795, l'été et l'automne 1795. Là, on se rend compte que les conventionnels ont envie, en tout cas certains conventionnels, ont envie de faire passer une abolition de la peine de mort avant la fin
du travail de la Convention. On le voit parce que les propositions qui arrivent notamment à la commission des 11 et qui concernent l'abolition de la peine de mort sont très peu nombreuses, mais toutes passent devant l'Assemblée, on leur donne une audience, on permet aux personnes qui publient des textes demandant l'abolition de prendre la parole devant la Convention, et on diffuse ces textes assez largement dans le pays, on les édite parfois aux frais de la commission des 11, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est durant cet été, comme pour l'amnistie, que la question passe du comité de législation à la commission des 11, qui est chargée de la rédaction de la Constitution, et que la question de l'abolition de la peine de mort devient une question véritablement constitutionnelle. Le premier à proposer cette abolition, c'est donc un commis des postes et journaliste qui s'appelle Antoine Lemaire et qui propose le 3 Fructidor, le 20 août, une brochure à la Convention, il est accueilli devant cette Assemblée, une brochure sur l'abolition de la peine de mort ou les dangers d'admettre les supplices dans un État sagement gouverné. En même temps, donc son texte va être renvoyé à la Commission des 11, en même temps on va renvoyer devant la Commission des 11 également le texte de Le Pelletier qui avait été imprimé juste avant sa mort pour l'abolition, en faveur de l'abolition, et un texte également de Reynaud, député à la Convention, qui proposait la même chose. Il y a là des propositions qui vont dans le même sens, je prends simplement l'exemple de Reynaud. Reynaud demande l'abolition de la peine de mort, et il argumente en disant que la peine de mort est illégitime, parce que seul le Créateur a le droit de disposer de la vie des hommes, inutile, parce que c'est une peine qui n'est pas nécessairement une peine dissuasive, et indigne d'un État républicain, parce que la peine de mort est avant tout utilisée par les tyrans qui sont les despotes de la royauté, mais également les despotes de l'an II. Cette brochure est une brochure qui a un certain succès, de la même manière qu'une autre brochure, qui va apparaître en même temps et qui développe les mêmes idées et qui parle des tyrans qui ont utilisé la peine de mort de Sylla, Cromwell et Robespierre. Je cite la brochure. Donc il y a toute une série de brochures. Celle-là, c'est celle de Le Maire. Des brochures qui sont discutées dans la presse et auxquelles on donne une certaine audience. D'autres membres de la Convention vont publier des brochures vers septembre. Alors Reynaud va publier une nouvelle brochure en septembre 1995. Guffroy va publier également une motion en faveur de l'abolition de la peine de mort. On va également donner à ce moment-là une nouvelle publicité publique, cette fois le 1er octobre 1795, à une autre brochure, celle de Joseph Honoré Vallant, qui va être présentée devant l'Assemblée. Le texte de Vallant, au départ, est un texte qui est un texte manuscrit, qui va être renvoyé à la commission des 11, et lorsque ce texte est présenté à la Convention, Langevinné, membre de la commission des 11, prend la parole et demande la publication de ce texte, et en même temps la possibilité pour la commission des 11 de proposer un projet de loi sur l'abolition de la peine de mort. Et Langevinné dit ceci, « Que nous serions heureux si, après avoir commencé notre session par l'établissement de la République, nous pouvions la terminer en abolissant le dernier supplice. Il en fait une mesure tout à fait symbolique qui permettrait de clore finalement un chapitre qui est celui de la Révolution et d'établir définitivement des mesures qui sont, selon lui, des mesures d'essence républicaine, la République n'étant pas compatible avec la peine capitale. L'audience qui est donnée à toutes ces propositions montre que la Convention, globalement, considère que cette mesure est une mesure symboliquement nécessaire pour clore l'épisode de la Convention. Si je reprends ce texte, c'est pour montrer son importance et pour montrer l'écho qu'il va avoir. Baudin des Ardennes, le 2 Brumaire, deux jours avant la fin de la Convention, présente un discours qui est le discours en faveur de l'amnistie dont on a parlé tout à l'heure. Les cinq dernières pages du discours sont consacrées à l'abolition de la peine de mort. Il propose d'abolir la peine de mort, mais également d'organiser le dernier jour de la Convention, une grande cérémonie publique, qui aurait lieu sur la place de la Révolution, qui changerait de nom pour cette occasion et qui deviendrait la place de la Concorde, ce qui va effectivement être fait juste à la fin de la Convention. Et sur cette place de la Concorde, où les députés se rendraient en cérémonie, on briserait une faux, symboliquement,
dont les morceaux seraient conservés ensuite dans les archives nationales pour montrer la fin de cette peine de mort. Finalement, de Brumaire, le débat n'a pas lieu, simplement parce qu'on attend un rapport important sur le 13 Vendémiaire qui sera présenté le lendemain. On doit prendre des mesures envers ceux qui ont menacé la République quelques jours auparavant, et on décide donc de reporter le débat à plus tard. L'affaire va être à nouveau évoquée le 4 Brumaire, autrement dit, le dernier jour de la Convention. Le débat est très bref, très peu de personnes prennent la parole, les arguments échangés sont très peu nombreux. Il y a des hommes comme Marie-Joseph Chénier qui demandent une abolition totale de la peine de mort, et d'autres comme Rebelle, qui considèrent que les dangers ne sont pas écartés, que les conspirateurs et les factieux sont toujours omniprésents et que l'abolition doit être reportée à plus tard et reportée à la paix générale. Le rapport de Bodin est un rapport qui demandait l'abolition immédiate de la peine de mort qui devait entrer en fonction dès le 5 Brumaire, c'est-à-dire dès l'entrée en fonction de la Constitution. À l'issue de ces brefs échanges, la mesure qui est adoptée est une mesure beaucoup plus prudente. Le premier article dispose qu'à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans toute la République française. Le second rebaptise la place de la Révolution en place de la Concorde, mais pour les hommes de l'époque, incontestablement, il y a là une véritable abolition de la peine de mort. On peut en trouver d'une certaine manière la confirmation dans le Code des délits et des peines qui a été adopté entre-temps, le 3 Brumaire, le nouveau code pénal en quelque sorte qui est adopté à la sortie de la Convention. L'article 612, notamment, précise que pour les conspirations, les complots, la peine qui est prévue est la peine de mort, mais le texte précise tant que cette peine subsistera, et ensuite on prévoit la peine de substitution, qui va être la peine, défaire pendant 24 ans. On prévoit donc déjà l'après, preuve qu'il y avait là une véritable volonté d'abolir la peine de mort. À mon sens, cette abolition, et j'en conclus là, est une véritable abolition, en tout cas une abolition qui a été conçue comme telle par les conventionnels. Et pour s'en convaincre, il faut regarder comment elle a été perçue à l'époque du consulat. Un débat a lieu sous le consulat le 25 décembre 1801, le 4 niveaux en 10, un débat sur l'abolition de la peine de mort. Et la décision qui est prise par le corps législatif, c'est de proroger la peine de mort. Comme si la peine de mort était déjà abolie, mais on reporte à plus tard l'entrée en vigueur de cette mesure qu'on n'a pas oubliée. Par la suite, on va effectivement l'oublier, on n'y reviendra pas. Et finalement, si l'on veut tirer les leçons de ce qui s'est passé en 1795 et des mesures qui ont été prises, on peut en tirer deux. La première leçon qu'on peut tirer, c'est que comparé à l'abolition qui avait été envisagée en 1791, on a cette fois une abolition qui est à la fois une abolition pour crime de droit commun et pour crime politique. Donc une abolition qui se veut au départ plus large, même si c'est vrai au niveau des crimes politiques, il y a toute une série de personnes qui sont exclues, à commencer bien évidemment par les émigrés. Ça explique le lien qui est fait entre l'abolition de la peine de mort et l'amnistie, puisque les exclusions à l'abolition de la peine de mort sont précisées dans un article qui est commun à l'amnistie et à la peine de mort. La deuxième idée que l'on peut ressortir de cela, c'est que le débat est un débat, même s'il n'a pas vraiment lieu, enfin, les échanges sont des échanges qui se nourrissent finalement à deux grandes sources. À la question de l'humanité, bien sûr, et au débat qui avait eu lieu sur l'abolition de la peine de mort dans les années 1770-1780. Le mot humanité est un mot qui revient très souvent dans les échanges et dans les textes. Et la volonté de faire triompher l'abolition de la peine de mort, c'est la volonté de faire adopter cette humanité dans le domaine de la loi par le code de la République. Donc il y a cette notion d'humanité qui est très présente, mais il y a aussi une manière de préserver l'avenir, d'éviter de donner aux passions, pour reprendre le mot qui est employé à l'époque, une arme qui permettrait à ces passions de se déchaîner à nouveau. Et l'idée, c'est là de rompre, ou plutôt de briser l'une des armes de l'an 2, sortir de la Révolution, terminer la Convention,
c'est de ce point de vue-là, et on en revient à la notion de justice transitionnelle, en tout cas sur ce point-là, ça rappelle ces mesures-là, c'est éviter le retour de certains dangers en privant les hommes publics d'une arme qui pourrait finalement se retourner contre la nation. Merci beaucoup Hervé pour cet éclairage sur le débat sur l'abolition. Je me suis demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas aussi une réflexion à mener sur l'origine intellectuelle de ces débats et le rôle que les Lumières ont pu jouer, je pense à Beccaria en particulier. Ce débat existait déjà dans plusieurs travaux antérieurs de théories criminelles qui étaient en vigueur dans la période précédente et qui ont dû être... Alors ce qui est tout à fait frappant, c'est que tous les argumentaires dont tu parles, dans certaines brochures, vont se retrouver après dans les débats qui ont lieu ultérieurement, la question de la dissuasion inutile, la question de l'illégitimité de la peine de mort, etc. Donc on a là un répertoire d'arguments qui est quand même très présent dans les débats que tu viens d'évoquer, qui me semble tout à fait intéressant à relever dans ce moment thermidorien dont nous parlons. Et puis évidemment, c'est c'est une non-abolition de fait. Donc en fait, il y a là un discours implicite de rupture avec la terreur qui se manifeste à travers cet exercice intellectuel. Bien, nous avons un petit quart d'heure, je crois, pour les questions ou les réflexions de la salle. François Saint-Bonnet demande la parole. Et merci beaucoup. J'ai été très, très passionné par ces trois exposés. Je vais faire une observation concernant le dernier, et en lien aussi avec l'antépénultième, qui est la suivante. Entre Beccaria, qui était favorable à la peine de mort en matière politique et hostile à la peine de mort en matière de droit commun, et Guizot, qui renverse exactement la perspective, on a quelque chose qui se trace et qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'on a une compréhension de plus en plus marquée par la mansuétude à l'égard du crime politique dans ce premier 19e siècle, avec cette idée que l'alternance des régimes fait que les criminels d'aujourd'hui sont peut-être les gouvernants de demain, ou en tout cas que les gouvernants d'aujourd'hui sont les criminels de demain, qu'il n'est peut-être pas indispensable d'insulter l'avenir, et donc qui a tendance à vouloir apporter une conception plus clémente de la criminalité politique, avec en plus un argument qui est un peu développé par Guizot, qui est un argument légèrement romantique, qui consiste à dire se battre pour des idées, ma foi, quelle chose très noble, il n'y a pas de ce n'est pas une activité d'horribles crapules ou de gens authentiquement dévoyés, hein, ce sont des gens qui sont au fond assez désintéressés, qui se battent par des idées, par des moyens illégaux, bref, des gilets jaunes ou des gens Extinction Rébellion, bref, des gens très bien. Donc on voit ce parcours, et il me semble que votre communication, Hervé, est particulièrement passionnante parce que on sent ce moment de la croisée des chemins. C'est-à-dire que la peine de mort en matière politique dans la première révolution et dès 91, c'est de dire au fond, vous n'êtes pas de la nation. Et on voit bien persister cette idée avec les immigrés, ce sont des gens qui ne font pas partie, ils sont insusceptibles de bénéficier d'une amnistie et ils sont insusceptibles d'être récupérés dans le corps politique parce qu'ils s'en sont exclus par eux-mêmes. Donc il n'est pas question pour eux, voilà. Mais en revanche, pour ceux qui ne seraient pas de la catégorie des auto-exclus, bref, des récupérables, ceux qui pourraient refaire nation, là, on peut se poser la question. Et puis, on est encore sur cette lignée, hein, qui consiste à dire, eh bien, avoir un comportement dévoyé au sein de la société, ça nécessite d'être puni proportionnellement à la faute, mais ça ne nécessite pas d'être exclu du monde, non seulement des citoyens, mais également des vivants. Et on va voir un début du XIXe siècle où, à l'égard de la corruption authentique du criminel de droit commun, on va se faire beaucoup plus sévère. Et voilà. Et donc, je ne connaissais pas du tout ce débat de 1995, et vraiment, je vous remercie de l'avoir
évoquer, parce qu'il me semble que c'est peut-être ce moment-là auquel se joue l'entremêlement des arguments. On n'y voit pas encore bien clair, mais on voit bien des traces. Hein. Ce que vous avez dit à la fin, me semble-t-il, est très intéressant sur... voilà, il n'est peut-être pas indispensable d'accepter l'avenir. Et puis peut-être aussi cette question de préférer la déportation à la mort. Voilà. Qui sont des points, me semble-t-il, très, très éclairants. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir une question à vous poser, sauf à vous remercier pour cet exposé passionnant. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Monsieur de Chabalier. En fait, j'en ai deux. La peur du complot, c'est constant et continuel au cours de la Révolution française, avec les intrigants, avec les séditieux, avec ces étrangers, etc., etc. Et je voulais savoir si ces amnesties successives, avant l'amnistie générale, bien qu'imparfaite, comme vous nous l'avez démontré, elles apaisent cette peur du complot. Et deuxièmement, est-ce qu'elles ont fonctionné ? Est-ce qu'elles ont apaisé la société française et la société politique française, tout simplement ? Je ne sais pas trop. Parce que je voulais montrer... Pardon, c'est... Allez-y, excusez-moi. D'accord. La résolution du Conseil des 500, qui est encore au tableau, sur laquelle j'ai fini, montre que manifestement, la méfiance a perduré, puisqu'on a créé une catégorie civile, on pourrait dire, des amnistiés qui sont exclus des emplois publics. Donc, manifestement, la méfiance existe encore. Pour ce qui est de savoir si ça abolit la peur des complots, bien sûr que non. En réalité, on a toujours les distinctions. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui répondraient beaucoup mieux que moi ici, mais bon, voilà, je le fais quand même rapidement. Il y a évidemment toujours une méfiance très forte et on se regarde toujours en ancien jacobin ou en ancien terroriste. Et je crois que... Cette nouvelle rédaction de la loi le montre, et en fait, il y a une commission qui est nommée en Germinal en 4 pour proposer une nouvelle rédaction de la loi, parce que celle-ci fonctionne mal, enfin, la loi initiale, et ne permet pas d'étouffer les complots. En tout cas, c'est ce que disent les directeurs quand ils demandent la création de cette commission. Voilà. Je ne sais pas si ça répond ou pas, mais... Ouais. D'accord, c'est une réponse, c'est ça. Oui, voilà. Effectivement, l'abolition, Beccaria, ils en parlent énormément, effectivement. Bon, ils parlent beaucoup des juifs naturalistes du 17e, Pufendorf revient très souvent, après Beccaria. Alors Beccaria, c'est vrai qu'il est un peu obscur sur la question des limites à l'abolition de la peine de mort. On voit qu'il garde cette possibilité pour les crimes politiques, mais c'est vrai qu'il n'est pas très explicite. Chez Robespierre, par exemple, au début, et dans le premier débat sur l'abolition de la peine de mort, on comprend très bien que Robespierre est favorable pour le droit commun et tout à fait hostile au niveau politique. Et d'ailleurs, sa position vis-à-vis de l'amnistie est liée aussi à sa position vis-à-vis de la peine de mort, qui est nécessaire pour des crimes politiques et pour sauver la société en cas de remise en cause de son existence même. C'est ce qu'il va redire en 1792, c'est ce qu'il va redire en 1793. Et effectivement, je crois que vous avez tout à fait raison, on est dans une période de basculement, et sans doute liée à l'après 93-94, avec ce changement d'attitude qui va se confirmer au 19e siècle. Et là, sans doute qu'il y a un processus qui a enclenché. C'est vrai que pour le 19e siècle, je ne l'avais pas rattaché à cette période-là, mais il y a sans doute quelque chose qui se joue à ce moment-là et qui aura des effets bien plus tard, notamment sur les débats de l'abolition de la peine de mort au cours du 19e. Oui, tout à fait. Merci. Valérie Hiert. Marc, concernant d'abord la cérémonie et le rituel de du bris de la faux, alors j'ai un petit peu travaillé là-dessus et ce qui m'a fasciné, c'est la pluralité interprétative du rituel de bris de l'objet. Et alors, si vous pensez à ce que c'est qu'une faux, une faux, c'est si on prend le sens du mot latin, c'est aussi une serpe, donc ça fait référence bien sûr à la faux utilisée par un commis agricole. Mais on pense tous à la faux comme la faucheuse. Donc on pense que c'est l'abolition de la mort. Mais la faux, à l'époque, c'est surtout l'attribut de Saturne. C'est la faux du temps qui dévore. Et c'est très clair chez ceux qui lisent, parce qu'on ne brise pas un objet symbolique s'il n'a pas une pluralité de sens. Et alors, ce que j'ai trouvé qui était le plus intéressant, parce que ça rejoint ce qu'a dit monsieur, c'est la faux avorteuse des mères. Et on retrouve donc cette image de la faux qui, évidemment, on ne choisit pas la guillotine, on choisit la faux, parce que ce n'est pas seulement l'attribut de la mort et du temps,
c'est aussi une faux qui a fauché la vie. Et ça, c'est assez passionnant. Et la deuxième chose, c'est une remarque lexicographique, je vais y arriver, sur purement. J'ai vérifié dans le TLF, en fait, purement, à l'époque où ce mot est employé, ce n'est pas encore une locution adverbiale. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore le sens de purement, c'est-à-dire pureté morale. Et alors, je ne peux pas l'établir parce que je n'ai pas assez d'occurrences, mais il faudrait savoir si dans cet emploi, c'est évident que ça veut dire exclusivement, on est d'accord, mais il ne faudrait pas chercher d'autres emplois concurrents qui font dire un petit peu autre chose que purement et simplement, qui est le sens, je dirais, voilà. Oui, un mot sur la faux. Alors, un mot sur la faux. Ouais. Effectivement, il y a pluralité des images, incontestablement. J'ai toujours à l'esprit une gravure de 1797, une grande gravure qui représente la mort sous forme d'un squelette, bien évidemment, qui est en train de recevoir un bonnet rouge de la part de Marat. Et devant lui, il y a toute une série de conventionnels qui ont été exécutés. Alors, on y retrouve pas simplement de conventionnels, il y a aussi Hébert, il y a Robespierre, il y a Danton, toute une série de montagnards qui sont morts. Et Robespierre est le seul à tenir une faux. Alors certains s'appuient sur un bâton, notamment Couthon, lui c'est carrément sur sa béquille. Et Robespierre a une faux et il tient dans la main un texte sur lequel on lit loi des suspects et loi du 22 prairial. Bon, donc là, en l'occurrence, la faux, c'est quand même la faucheuse, c'est-à-dire les lois qui ont massacré, oui. On le voit comme ça. Et je pense que 95, en 95, c'est l'image qui prédomine. Et le fait de briser, voilà. c'est comme briser les planches de la Signa quand on va les briser. C'est mettre un terme à une époque, symboliquement. Et l'objet devient une forme de rite de passage vers quelque chose que l'on... C'est très profond, à mon avis. C'est ça. Mais c'est briser l'objet sans qu'il soit tenu par un individu. Donc c'est le procédé de la faux dans toute sa pluralité interprétative qu'on brise. Et ça, c'est très fort, parce que y a, certains anthropologues parlent d'agentivité de l'objet, mais quand on s'en prend à un objet... On s'en prend pas à un individu, c'est tout à fait différent. Une allégorie qui tient un objet et un objet seul qu'on brise. Voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve que cet exemple est très intéressant pour l'étude des objets symboliques. Mais c'est intéressant parce que dans les réflexions contemporaines, dans les plaques commémoratives des victimes du terrorisme actuel, le mot de vie fauchée revient. Revient. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que c'est pas un mot qu'on utilise dans le vocabulaire courant, et dans plusieurs plaques. On note le nom des personnes qui ont été assassinées, Stade de France, les terrasses, etc. Et le mot de temps de vie fauché. Et ensuite vient la liste. Alors, est-ce que c'est la faux du temps, la faux de la violence qui s'abat sur... c'est polysémique, hein, il faudrait étudier le sens que cette résurgence de la faux suscite en nous. Alors, monsieur, une question. Si c'est une faux, ça n'est pas une guillotine. Alors, si on écrase une faux, on n'écrase pas une guillotine. Or, la Révolution s'est écrasée. On a disposé en 93, en mai, si je me rappelle bien, du mouton national qui a écrasé les formes de la Constitution de 91. Donc, on sait mettre en scène cet écrasement. Mais on sait aussi, des fois, mettre en... Et il faut répondre à la question, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est une faux ? Admettons que ce soit la pluralité, mais disons que ça n'est pas une guillotine. Oui, alors j'avais d'abord une question, mais pour continuer dans ce débat sur la faux, je réponds à Serge Aberdam que la faux, c'est peut-être justement la lame de la guillotine. Dire que la faux n'est pas la guillotine, c'est dans toutes les interprétations, parce que ce ne sont que des interprétations qu'on peut développer. Elles sont attestées. Ce que je disais, c'est que toute cérémonie et rituel symbolique fait l'objet de lectures interprétatives. Donc là, je suis pas en train de divaguer, je suis en train mais je suis d'accord. Non, c'était juste pour dire que si effectivement ils n'ont pas choisi la guillotine, mais en fait on peut tout à fait retracer les différentes lectures et tout. Toutes ces lectures sont tour à tour employées et voilà. Je suis entièrement d'accord. De toute façon, je crois que comme n'importe quel objet, il y a différentes interprétations, différentes images qui peuvent se rejoindre. Mais je disais, entre autres,
parmi toutes ces images, la fosse pouvait aussi peut-être envoyer tout simplement, entre autres, à la lame de la guillotine. Voilà. Et alors, par ailleurs, je ne sais pas si... là, j'avais une question, mais qui n'était pas sur la, du tout sur la... Une question et une remarque. D'accord. C'est à Stanislas de Chabalier. Alors, d'abord, une question qui est peut-être tout simplement un état de mon ignorance, mais je croyais que les Septembriseurs avaient été exclus, donc les auteurs des massacres de septembre, de l'amnistie. Or, manifestement, c'était une erreur, si on regarde le décret. Ça, c'était ma question. Et puis après, j'avais une remarque. C'était extrêmement intéressant, tout ce que vous avez présenté, les débats. Et je veux dire que le début de votre intervention là sur la question, les discours de Cambacérès, pardonner à l'erreur, mais punir le crime, etc. Je veux dire que, alors, à un niveau évidemment autre, et surtout dans un contexte autre, et avec sans que ça débouche sur l'idée d'amnistie, on trouve ça dès juillet 1794, enfin dès 94, dès l'an 2. C'est ce qu'on trouve par exemple au moment de la loi de Messidor en 2. Hein, qui tue. Alors là, c'est non pas l'amnistie, mais mise en liberté des suspects cultivateurs uniquement. On en a besoin, bien sûr, en Messidor, mais néanmoins, c'est le même discours derrière, hein, pardonner à l'erreur et punir le crime. À la limite, c'est ce qu'on trouve aussi dans les rapports de Ventose, de Saint-Just. Il y en a aussi eu. Alors, bien entendu, on n'est pas dans le même contexte. Bien entendu, ça ne débouche pas vers l'idée d'amnistie. Néanmoins, c'était pour dire que là, je crois qu'on est dans un... Et ce n'est pas pour du tout remettre en question la particularité de l'an 3, mais c'est, je crois qu'on retrouve là cette question qui est récurrente, de toute façon, pendant toute la Révolution et aussi pendant la guerre. Comment, à quel moment, comment sortir, surtout après la déclaration du gouvernement révolutionnaire, comment revenir à un système de fonctionnement plus, on va dire, pacifié, de justice. Juste une chose, la justice et la probité à l'ordre du jour, c'est germinal en deux. C'est pas la mise à l'ordre du jour de la justice dans la République, c'est pas que l'an 3. Pour commencer, sur les Septembriseurs, ils ne sont pas exclus de cette amnistie. Il y a des débats assez intenses sur une possible amnistie des Septembriseurs, mais bien plus tôt, et elle n'aboutit pas. Ensuite, la loi que vous parlez, la mise en liberté des paysans, j'ai déjà vu certains auteurs qui la comparaient à une loi d'amnistie, même si ce n'en est pas une, puisque les procédures sont suspendues, donc c'est quand même pas la même chose, mais ça y ressemble. Et par exemple, pour cette loi, je peux vous assurer que dans certaines provinces, c'est une loi qui a fonctionné, c'est le premier grand élargissement de suspects. Mais ce n'est pas une amnistie, hein, on est bien d'accord. Non, pas à proprement parler. Enfin, je crois que les juristes n'apprécieraient pas qu'on dise ça. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Non. Une autre question dans la salle? Un collègue là-bas, oui. Jean Boyer, c'est plus une remarque. Je suis magistrat et j'ai été longtemps un juge. Juge d'instance notamment. Je suis frappé, même si je n'ai pas pu assister ce matin, par la palette des mesures qui ont été évoquées durant ce colloque, qui vont bien au-delà du judiciaire, hein, puisqu'il y a les lois d'amnistie. Je me suis, si vous me le permettez, bien reconnu dans le juge vendéen besogneux, qui essaie de retisser, tricoter parfois, rapetisser. Et repriser comme on peut. Et si vous voulez, ce qui me frappe là, si vous voulez, c'est peut-être qu'il faut bien s'entendre sur le mot justice. S'il s'agit de justice transitionnelle, il ne faudrait pas laisser croire que des organes juridictionnels peuvent à eux seuls, et même des bons, hein, arriver à cette transition. Voilà. C'est simple, et je crois que la palette des mesures qui ont été évoquées durant ce colloque le montre. Voilà, je ne voulais pas en dire plus. On a évoqué en introduction justement le caractère très ouvert du mot justice. Ce sont des mécanismes, des institutions, des réalisations, des initiatives de toute nature qui caractérisent la période transitionnelle.
J'ai évoqué en introduction, ça paraît essentiel en Espagne aujourd'hui, enfin dans l'époque post-franquiste, du nom des rues, par exemple, qui ont été débaptisées, rebaptisées, etc. Parce que la population ne se reconnaît plus dans une cartographie urbaine qui a été complètement triturée par le régime antérieur, si vous voulez. Donc rétablir le nom des rues actuellement dans l'Espagne post-franquiste, ça a été essentiel pour l'identité du peuple espagnol. Bon, c'est un point de détail, mais pour dire simplement que ce n'est pas seulement une question de justice. Mais il faut peut-être passer par une décision de justice pour obtenir ce type de décision. Donc finalement, on n'est pas si loin. Alors, attendez, oui, allez-y, puis monsieur en dernier là-bas. Oui, allez-y, le micro est à côté. Non, enfin, c'est sur le fond un peu aussi. Comment dirais-je, ramener la paix, la justice qui pourrait être transitionnelle, c'est compliqué dans le détail des localités, des endroits, des relations sociales, parce que dans la mesure où la nation a retrouvé ses biens, eh bien, ces biens nationaux continuent à se vendre. On les vend, on les divise, on les survend. La nation a émis de la monnaie de papier qui continue à circuler. La nation a récupéré des droits seigneuriaux, féodaux, des dîmes, qui continuent à être contestés. C'est-à-dire que les objets matériels qui ont constitué ce qu'a récupéré la nation vont continuer à circuler. Par exemple, dans les questions de dîmes, il y aura des contestations pratiquement jusqu'au statut du fermage et du métayage en 1946. Donc on a le croisement d'une démarche pacificatrice, mais en même temps un flot de biens, un flot de rentes, un flot de richesses continue à s'écouler de ce que la nation a récupéré en renversant le régime antérieur. Donc là, la contradiction continue à jouer. Question, vous avez un micro à côté. Oui, c'est une question beaucoup plus concrète sur les employés de bureau, donc pour Virginie Martin. Est-ce que quand un chef de bureau est exclu à la suite d'une mesure d'épuration, il entraîne dans sa chute les gens qui travaillent sous ses ordres, ou est-ce que l'administration protège suffisamment les employés à différents niveaux pour que ça n'arrive pas? Et autrement dit, est-ce qu'il y a des phénomènes de protection? Est-ce qu'à y avoir un protecteur, c'est le plus important, ou est-ce que l'administration est garantie de ça? Alors, à ce que j'ai pu voir, normalement, non. C'est-à-dire que le chef va tomber, on va le remplacer. Et à charge pour le chef suivant de faire littéralement ou presque ce qu'il veut en termes de recrutement et en termes de destitution ou de suppression sous couvert d'économie. Et justement, c'est ça, on s'est toujours interrogé sur la question de la prolifération de la bureaucratie de l'an 2, mais c'est toujours plus facile en réalité d'augmenter sans cesse les effectifs pour ne pas faire produire des rancœurs trop tenaces qu'on cherche à éviter, mais en réalité à être dans cette logique de réintégration de protégés qui, en réalité, avaient été évincés précédemment. Donc je crois que c'est plutôt ce mécanisme-là qui... voilà. C'est seulement à partir du printemps 95, je pense que là, vraiment, il y a autre chose. En fait. Ce qui était très intéressant dans vos interventions à tous les trois, c'était comment, justement, dans le temps long, on retrouve les contradictions et les... en 95 de toute la période thermidorienne. Mais il y a une chose qui est fondamentale à comprendre, je crois, c'est que la Révolution française sera terminée, et donc la transition sera aboutie, puisque c'est notre question de ces deux journées, lorsque le gouvernement, les institutions, une fois posées, auront un personnel qui bénéficiera de la confiance publique. Or, effectivement, un des problèmes que l'on retrouve en l'an 3, notamment, c'est qu'avec ce décret des deux tiers, on remet toujours un peu au lendemain la résolution des problèmes et la nomination d'un personnel qui est complètement la confiance de l'opinion. Et deuxièmement, chose qui revient un peu sur ce qu'on a dit, le 13 Vendémiaire a selon moi été un vrai tournant, on le voit dans les épurations, mais on le voit aussi quant à la nomination, l'élection des membres du directoire. Or, les 5 membres du directoire seront... de façon surprenante et par un processus de nomination assez peu élégant, seront 5 régicides. Donc à la fois, on plaide pour la fin de la peine de mort, pour restaurer la confiance, on nomme 5 régicides, je dis juste cela parce qu'ils ont été qualifiés comme tels et considérés comme tels pendant l'an 4 et l'an 5, notamment.
Et donc, est-ce que ces contradictions-là, thermidoriennes, ne complexifient pas encore davantage la justice transitionnelle, la transition, le directoire étant lui-même appelé à réaliser cette transition que Thermidor n'aurait pas réussi à clore? Juste un mot, mais je crois qu'on est. C'est vrai que c'est ressorti au travers de multiples communications. Et c'est l'esprit même de 95. Ce sont des gens qui ont espéré la paix générale qui n'est pas arrivée. Ils espèrent la fin de la révolution sans vraiment y croire. Et c'est vrai que les dernières mesures vont tout à fait dans ce sens-là. Ils espèrent revivre un temps de fin de révolution, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Et c'est pour ça aussi que justement la réflexion autour de la notion de justice transitionnelle est intéressante. Alors on peut le voir de deux manières, ou bien voir est-ce qu'on peut appliquer la notion, ou bien est-ce que c'est un outil qui permet de lire autrement. Et je crois que les différentes communications sont allées tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et c'est ça qui fait la richesse des débats. Ouais. Tout à fait. Virginie, vous, pour ne pas conclure, justement, donner quelques éléments de conclusion ou de réflexion finale, pour partir avec quelques idées, et puis je ferai les remerciements qui s'imposent, évidemment, à la fin. Virginie, quelques mots de réflexion conclusive. Oui, alors, quelques mots seulement, parce que chacun sait qu'on ne conclut jamais mieux un colloque qu'autour d'un verre, donc on conclura tous ensemble. Alors, l'idée du colloque, on l'a bien compris, et c'est ce que vient de rappeler en fait Hervé, c'était ouais. Surtout de ne pas plaquer de façon trop rigide et caricaturale ce concept contemporain de justice transitionnelle sur l'an 3. S'en servir comme d'une boîte à outils, à manier avec prudence, tu disais hier. Ce qui fait que l'effroi qui nous a saisi un certain nombre d'entre nous à la veille du colloque, en se demandant si on n'était pas complètement hors sujet, finalement c'est rapidement dissipé, parce que, et toutes les communications quasiment l'ont montré, personne ne l'a appliqué à la lettre, et heureusement, parce que ce serait prendre le risque de réactiver un certain nombre de vieilles légendes autour d'un certain nombre de postulats qu'on serait tenté de plaquer dans ces cas-là sur le gouvernement qu'on a décrit. C'est-à-dire les deux postulats qu'on a tous soigneusement évités, c'était finalement de rouvrir la question de la qualification du gouvernement comme un gouvernement autoritaire en l'an 2, avec tout ce que ça comporte de confusion, mais également autour de la question, et ça à mon avis qui mérite davantage d'être posée, qui est la question de c'est quoi un gouvernement de transition et est-ce que ça peut s'appliquer à l'an 3 ? Transition, d'accord, mais vers quoi? Est-ce que c'est pas postulé de façon rétrospective et théologique que ce gouvernement aurait tendu nécessairement vers le retour à la norme constitutionnelle? Or, et Michel Tropper l'a remarquablement démontré, il n'est pas question, jusqu'au printemps 1795, de mettre en activité la Constitution. Alors, du coup, le retour à la justice, il ne se fait pas dans les clous constitutionnels, alors il se fait comment? Autour de quoi? Autour, c'est ce que Hervé a montré autour d'un certain nombre d'éléments, autour de la question de la refondation républicaine. Et on a voulu plus particulièrement, en réalité, interroger ce concept de la refondation autour des multiples déclinaisons de cette justice. Alors, à l'ordre du jour des Germinal en 2, mais bon, en tout cas, qui sert de mot d'ordre à l'an 3. Et ces multiples déclinaisons, on a voulu les envisager autour du triptyque châtier, réparer, révéler. Et on a bien vu, oui, on châtie un peu, oui, on répare un peu, oui, on révèle un peu, mais est-ce que ça suffit pour l'inscrire dans la justice transitionnelle? C'est le un peu qui pose problème. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a deux lignes de force qui sont apparues dans le colloque. La première, c'est justement les limites de cette refondation républicaine axée sur l'axiome de la restauration de la justice, qui cache en fait sans doute plutôt la question de la restauration de l'ordre public à mains égards, c'est ce qu'on avait vu. Refondation limitée d'abord de l'État et des structures étatiques, puisque les structures et les hommes du gouvernement révolutionnaire sont maintenus. Elles sont de fait réajustées, avec d'ailleurs une réussite assez limitée, puisqu'on ne cesse en réalité d'essayer de réformer le gouvernement révolutionnaire. C'est quoi aussi la refondation de la légalité républicaine quand quasiment toutes les lois d'exception sont conservées? Alors évidemment, on surfocalise sur la loi du 22 Prairial, mais quid par exemple de la loi des suspects?
hein, qui est maintenu quasiment jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on fait aussi lorsque, oui, on restaure des formes judiciaires, les jurés, l'intentionnalité et tout un tas de choses qu'on a vues et sur lesquelles je ne reviens pas, mais quid des hommes ? Qui juge ? C'est pas seulement la question de comment on juge. À partir du moment où il y a eu des épurations massives au niveau des tribunaux, ça pose quand même le problème de, au-delà du cadre du tribunal révolutionnaire sur lequel on a surfocalisé, qui est la question quand même des tribunaux criminels de département, et de voir de façon très fine comment ça s'est passé à l'échelle locale autour de ces tribunaux-là. Que dire aussi finalement d'une politique de clémence qui reste entachée en réalité de tout un tas d'exceptions, surtout de suspicions, et on l'a bien vu, on ne décrète l'amnistie qu'in extremis, du bout des lèvres, et avec un certain nombre d'ambiguïtés qui ont été très bien pointées, idem pour la peine de mort. Donc bon, voilà. Enfin et surtout, je crois, quand il y a ce formidable mélange des genres, en fait, qui reste la marque, le stigmate du gouvernement de l'an 2, mélange de genres. Quid de la restauration de la justice quand on a un comité législatif qui fait quasiment office de tribunal d'appel des sentences judiciaires. Là, Denis Salas l'a pointé. Et enfin, et surtout, une chose à mon avis dont on n'a pas suffisamment parlé, lorsque c'est aux militaires plutôt qu'aux civils qu'incombe à la fois le retour à l'ordre et le retour à la justice. Alors, retour à l'ordre, on l'a vu avec le recours à l'état de siège pour pacifier notamment ces zones de non-droit, dont on a bien vu que ça ne voulait pas dire que parce qu'il y avait l'état de siège, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas aussi des formes de dispositifs. Ça, on l'a très bien vu avec les deux communications, pour retisser du lien social, pour tisser de la réconciliation autour de la question des juges de paix. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a du militaire qu'il n'y a pas forcément du lien qui se recrée. Néanmoins, quand même, le recours à une justice militaire en lieu et place de la justice révolutionnaire, qu'est-ce que c'est sinon le maintien de l'exception? Et là, évidemment, il nous a manqué une communication sur les commissions militaires créées pour juger toutes les insurrections, germinales, prairiales, vendémiaires. Donc, est-ce qu'il y a là, autour de cette marque militaire de l'an 3, quand même, un aveu d'impuissance et surtout un symptôme d'échec de la restauration de l'état de droit? Deuxièmement, le deuxième point, et ce sera tout, hein, si le procès de la terreur, il n'a pas pu se faire dans l'enceinte judiciaire, eh bien, ça veut dire que ce n'était pas avec les moyens classiques de la justice rétributive qu'on pouvait le faire. C'était avec ces moyens larges de ce que vous appelez la justice restauratrice. On pense les plaies, mais différemment, qui nous a amené finalement, et ça, je crois que c'était une des choses vraiment bien réussies, à essayer de réfléchir, en fait, à confronter les revendications des victimes avec les réponses qu'a tenté de donner l'État à cette demande de justice ou de réparation. Alors, on l'a vu, l'an 3 libère pas seulement les suspects, ça libère les paroles. La parole, alors cette parole des victimes, elle a envahi, on l'a vu, l'espace public, elle a filtré aussi jusque dans l'enceinte parlementaire, mais on l'a surtout entendue pendant ces deux jours, à l'exception notable des femmes, à travers ces porte-paroles politiques, hein, on l'a vu avec les Girondins ce matin, à travers aussi tous ceux qui s'érigent un petit peu en ventriloque de ces victimes, c'est-à-dire, évidemment, tous ceux qui la mettent en scène au théâtre, tous ceux qui en écrivent l'histoire immédiate aussi. Alors, du coup, ça pose la question du statut de la vérité. Est-ce qu'on a réellement cherché la vérité? Cette vérité, elle est fabriquée, elle est inventée. Hein. Bronislas Baxko a bien montré que les thermidoriens sont passés maîtres dans l'art d'inventer des mythes, les fictions, ce qui fait en réalité le premier roman de la terreur. Et je crois qu'on a tout intérêt à confronter cette rhétorique victimaire avec la rhétorique de justice des vainqueurs de l'an 3, parce que les deux s'entretiennent, les deux s'alimentent, elles fonctionnent en fait en système d'écho. Et finalement, on a souvent vu ça autour d'un principe de légitimation du coup d'État. Je crois que ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, peu importe que ce qui est dit soit vrai, du moment que ça fasse vrai, peu importe qu'on y croit vraiment, du moment que ça permet en réalité de réconcilier, de faire consensus, c'est-à-dire en réalité de servir de dénominateur commun pour, sinon réconcilier, du moins refaire lien et refaire sens dans une société qui en manque. Alors, est-ce que libérer la parole, ça permet de guérir les cœurs empoisonnés, pour citer Camus? Bon, sauf à transposer nos catégories psychanalytiques sur... Alors, je sais que les émotions sont à la mode, etc., mais je me garderai bien de le faire. Mais je crois que ce que ça montre quand même, c'est que du coup, ça force les députés à tenir compte du passé, à l'affronter, à le regarder. Ça leur interdit aussi de décréter l'oubli
Et ça, pour c'était Kiné qui disait ça, ça les oblige aussi quand même et malgré tout à devoir très souvent regarder de face cette responsabilité qu'ils avaient eu soigneusement de consigner autour, enfin d'enfermer, de réduire autour des seuls boucs émissaires commodes de la terreur. Bon, alors du coup, il faut quand même pas se laisser prendre au piège de cette rhétorique doloriste des victimes, parce que sinon on pourrait aussi relire toute l'histoire de la Révolution avec la littérature des émigrés, puis on n'en finit pas. Bon, mais est-ce que cette parole-là, ça suffit à vraiment à satisfaire une exigence de victime ? On est en droit de se demander, et au regard du contenu même des réparations, qui sont surtout symboliques, hein, d'après ce qu'on a vu, et moins matérielles, si véritablement il y a eu une dynamique de réparation véritable. On a parlé des indemnités aux fonctionnaires réformés, aux épouses et aux veuves de militaires. On en a parlé pour les proches des députés. Mais je crois qu'il manque quand même une communication sur le montant et la distribution exacte de ces indemnités qui sont consenties aux condamnés, sur l'ampleur des biens qui ont été restitués et sur le serpent de mer un peu invisible dont il a été seulement question, voilà, qui est la question des émigrés. 14 novembre, ils obtiennent le droit à la radiation. 11 janvier, ils ont droit de plus en plus à rentrer. Et puis, à partir d'avril, ils sont... Voilà. Et ça, ce droit à la radiation, c'est le comité de législation. Et là, en termes de biens et de réparation, c'est pas tout à fait les mêmes que... Donc, ça pose... Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est que c'est facile de décréter des réparations, mais que quand on sait qu'on ne peut pas les honorer, parce que ces réparations, elles ont un coût, elles ont un coût financier. Et je crois que même si on n'est pas d'accord tous sur ce point, n'empêche que cette politique de l'entroi, à tout point de vue de justice, de réparation, de vérité, elle a un coût, parce que la France, elle est en crise, et elle est en crise, et en plus, elle est en guerre. Et est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser tout à fait du gouvernement de l'an 2, quand ce qui a motivé sa création est encore d'actualité, c'est-à-dire la guerre ? Est-ce qu'on peut décréter des réparations quand on n'a pas les moyens de les financer ? Alors, finalement, ça pose au-delà de tout la question de la possibilité même d'une justice transitionnelle en contexte de guerre, où le seul droit d'exception, finalement, qui reste, c'est quand même le droit d'exception. Et je crois que si riche que soit l'approche politique et juridique, dont je ne m'exempte pas, on gagne toujours à réarticuler cette approche politique et juridique avec un soupçon d'histoire économique et sociale pour voir en réalité les traductions concrètes des politiques qui sont décrétées. Alors, pour ce qui me concerne, je ferai trois brèves remarques. La première, je pense que malgré tout, les réserves de Virginie, que je partage, malgré tout, ce moment thermidorien me semble un bon laboratoire de la justice transitionnelle, au sens où j'avais défini au début de notre colloque. Dans tous les cas de figure que je peux connaître, si vous voulez, il y a une telle contiguïté, comme c'est le cas dans la période qui est la vôtre, entre la violence politique, violence d'une guerre civile ou d'une guerre extérieure, peu importe, et le moment de la restauration d'un état de droit, que forcément on est dans un moment où les forces contraires s'affrontent et où la pacification se heurte avec une violence résiduelle qui subsiste avec d'autant plus de force qu'on nous a dit suffisamment à plusieurs reprises que l'état d'exception avait continué pendant cette période sans interruption. Moi, ce à quoi je suis attentif, si vous voulez, c'est à la figure du tiers. Dans la violence, il y a cette espèce de mimétisme dont nous parle beaucoup René Girard, qui crée un cycle qui est très difficile d'interrompre, parce que c'est un cycle anthropologique où la violence s'enchaîne à la violence dans un mécanisme finalement qui est assez, assez infernal. Et le seul qui peut nous desserrer ce cycle et ce lien, c'est le tiers. Et le tiers, on l'a vu apparaître, je pense, dans le colloque, de temps en temps, dans le juge de paix qu'évoquait mon collègue tout à l'heure, Vendéen, que vous avez évoqué vous-même. Le procès Carrier, on a dit que c'était un bouc émissaire, c'est vrai, mais en même temps, il y a eu 220 témoins, hein, si je ne m'abuse, donc un débat quand même. Ce n'est pas les procès du tribunal révolutionnaire
première période. Et Anne Simonin nous a dit que le tribunal révolutionnaire de l'an 3, c'est un nombre d'acquittements non négligeable, si vous voulez. Donc, et au niveau de l'espace ouvert par le tiers, dans le schéma de la violence mimétique, et dans les peines prononcées par le tribunal, il y a tout de même des signes d'une volonté de pacification, qui est bien des signes, hein. On n'est pas dans un mouvement puissant, on a des signes de pacification qui sont tout de même extrêmement présents. Dans les quatre critères de Joinet qu'on évoquait aussi au début, c'est vrai que les uns et les autres, justice, vérité, réparation, Virginie l'a dit, il y a effectivement des ébauches de réparation, des ébauches de formes de justice qui apparaissent, mais on ne peut pas dire qu'il y ait effectivement une structuration complète, au sens où l'entendons, de la justice transitionnelle. Je me suis interrogé quand même, c'est un peu parallèle, mais quand même, on en discutait avec Hervé à la pause, sur la place des juristes dans ce moment. Merlin de Douai et Cambacérès dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont traversé tous les régimes, si j'ai bien compris. Et alors Hervé me disait tout à l'heure que c'était parce que c'était des techniciens du droit, qu'ils étaient donc en dehors du débat politique et qu'ils avaient cette figure-là. Est-ce que c'est seulement des techniciens du droit ou est-ce que ce sont aussi des ouvriers de la loi, c'est-à-dire ce qui sont contaminés, enfin, qui sont partie prenante de la sacralité de la loi et qui les met en quelque sorte hors du jeu politique. Je ne sais pas, je vous interroge là-dessus parce que leur image reste forte parmi nous et moi j'ai plutôt le sentiment qu'ils incarnent peut-être aussi une figure de la loi bien plus forte symboliquement que la Constitution, on le sait, et peut-être c'est pour cette raison-là, mais je vous soumets l'hypothèse, ça ne sera pas du tout pareil après la Seconde Guerre mondiale, où là, finalement, le juriste n'aura plus le même statut. Mais là, dans cette immersion dans le secret de la loi, peut-être qu'ils ont trouvé un refuge, je dirais, commode pour s'abstraire de ces contradictions. Donc voilà, il y a cela. Et puis je terminerai simplement par la figure des victimes dont Rosa Steinberg nous a très bien parlé tout à l'heure. Et c'est important, parce que si on interroge aujourd'hui la période considérée, c'est aussi parce que nous sommes aujourd'hui avec le phénomène de la Shoah, les génocides qu'on connaissait, qu'on connaît aujourd'hui, guidés par cette question victimaire. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que les uns et les autres vous avez dit, c'est à quel point il y a l'ébauche aussi d'une mémoire, des mémoires officielles qui se constituent autour des martyrs, des bonnes victimes, en quelque sorte, choisies par le régime en question. Hein, on sélectionne, vous avez tous dit ça très bien. Et en même temps, souterrainement, il y a une autre mémoire qui se manifeste, une mémoire souterraine, dont les veuves, les femmes, sont... Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que, dans ces mémoires souterraines, là, il y a un phénomène assez transhistorique. J'ai pensé à la tragédie grecque, l'ouvrage de Nicole Loureau, Les voix endeuillées de la cité, Antigone, etc. C'est déjà ça. Hein. Les femmes, les veuves, sont des héros morts ou des combattants morts, sont les porte-parole d'un deuil impossible qu'elles font entendre dans la cité. Et alors, on le retrouve dans les exemples que Rosane nous a donné tout à l'heure, mais aujourd'hui, les veuves de la place de Mai en Argentine sont aussi des porte-parole de ce deuil impossible dû au fait que les disparus, ben, c'est compliqué de faire un deuil quand on a un père, un fils, un mari disparu dans une guerre en question. Donc il y a une scène mémorielle, je dirais, qui émerge dans les travaux qu'on a pu faire apparaître dans le colloque, qui me semble là, qui demande d'être travaillée de plus près. Je pense qu'elle est émergente, elle n'occupe pas tout le paysage, mais quand même pour nous contemporains, qui interrogeons l'histoire avec notre regard d'aujourd'hui, ce type d'ouverture que les uns les autres vous avez pu proposer me semble extrêmement intéressant pour décrypter cette période avec les soucis que nous avons aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure en introduction que le rôle pour Kundera, il en a suffisamment connu les conséquences.
le rôle de la réparation est tenu par l'oubli en Espagne, en Russie, en Algérie contemporaine. Il n'y a pas eu de commissaire véritable, il n'y a même pas eu de justice après les massacres qui ont été commis. Eh bien, effectivement, il y a une mémoire qui n'a pas été honorée par la période ultérieure et qui n'a pas été traitée par la justice ou par des institutions de transition, et qui va où ? Qui va se réfugier dans l'art, dans la littérature, dans des objets symboliques qui vont en quelque sorte être réceptacles d'un deuil impossible. Et pour avoir étudié d'un peu près cette littérature de la réparation qui est, comme par hasard, très importante en Argentine, en Algérie et Kundera, l'Europe de l'Est, si vous voulez, c'est quand même là aussi qu'elle va se réfugier et qu'elle va trouver une sorte de, je dirais, d'exutoire symbolique pour faute de réponse institutionnelle donnée par la justice. Donc voilà, je pense que notre colloque, de ce point de vue-là, a été intéressant parce qu'il a montré le rayonnement très large de la notion de justice transitionnelle, même si on a vu que les institutions ont beaucoup de mal à y répondre, compte tenu de la permanence, et on l'a dit, vous avez dit les uns les autres avec beaucoup de force, la permanence de la figure de la guerre, de la violence politique, de la réponse de l'état d'exception qui subsiste dans cette période du moment thermidorien. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Je voudrais donc vous annoncer que nous allons publier ce colloque, vraisemblablement dans la revue que nous animons, la revue de l'histoire de la justice, notre dernier numéro, alors d'actualité aussi, Punir et réparer en justice, du 15e au 21e siècle. La scène de la réparation déjà était présente dans nos travaux. C'est un colloque qui a été coordonné par Claude Gauvard, qui vient d'être publié. Et puis, il y a donc des informations qui sont à votre disposition sur notre association dans la table qui est à l'entrée de la Grande Chambre. Et notre chargé de mission, Vincent Bernodeau, qui est au fond de la salle, pourra effectivement vous donner quelques renseignements complémentaires. Outre cette publication, je voudrais remercier donc tous les partenaires qui nous ont aidés à concevoir ce colloque. Hervé Levers, qui était son maître d'œuvre, Virginie Martin, qui également nous a aidés à le concevoir, et puis également le barreau de Paris, sans oublier Emmanuel Pierrat, qui nous a aidés à obtenir la salle la magnifique salle de la bibliothèque des avocats du barreau de Paris, la Cour de cassation, Chantal Arant, sa première présidente, qui nous a autorisé à tenir ce colloque ici, la conciergerie, Madame Cécile Rive, qui nous a permis d'avoir cette belle visite hier, et le CNRS, Lille, l'IRIS, qui est également notre partenaire. Voilà, merci à tous et bon retour dans vos différents lieux d'exercice. Merci.